Ça se voit que ça a escaladé un peu mes aventures Minecraft. Les noms des aventures mettent un peu sur la piste, je trouve. On sent qu'il y a eu une escalade un peu dans les sentiments, dans les... tout. On va trier notre inventaire. Y a encore un Ender Guardian là-bas. Mais je sais pas, en vrai de vrai, il va jamais remonter à la surface, hein, le collègue. Hein. Il est là-bas pour toujours, vraiment. Bon, alors attendez. Parce qu'il nous est arrivé quand même quelques catastrophes la fois dernière. Oh. Je suis comment niveau stuff? On va prendre les trucs dans l'ordre. 14 mois déjà. Ok, ça c'est incroyable, bon. J'ai un stuff enchanté? Non. J'ai ma pioche à améliorer parce que je suis niveau 30, j'en profite vite. Avant que quelqu'un se dise, bah tiens, je vais lui faire perdre tous ses levels. Non, infinité. Non. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le tenter ou pas? Chat. Sinon je me fais une épée enchantée. Salut Linka. Comment vas-tu? Il me reste deux diamants, c'est un toujours signe. Un plaisir, les gars, c'est un signe. Si bonne compagnie. Bisous à vous quatre. C'est un signe du destin. Si j'ai pas un bon truc, je tente l'arc. Ok. Ouais, comment? Pourquoi t'es content, Angel, en fait? T'es pas censé être content, là. T'es pas censé être content du tout. Bon, alors attendez. Je vais remettre mon stuff d'aplomb parce qu'on s'est battu pendant tout le live la dernière fois. Je vais ranger les trucs un peu abîmés ou dont je me sers pas là-dedans. Unbreaking efficiency. On le fusionne. Normalement, j'en ai d'autres, donc ça, c'est pas grave. Normalement, j'en ai. Ouais, j'en ai beaucoup. Oh la vache. Ok, ok. J'ai ce qu'il faut niveau enclume. On est bon. Ça m'a fait faire de ses économies en vrai d'avoir mis l'enclume comme ça. Ok, mes enclumes sont prêtes. Maintenant, j'ordonne mon stuff. Ça dégage, ça dégage. Ça dégage, dégage. Dégage, dégage. Richesse. Ça, c'est pas enchanté, j'en ai pas besoin pour le moment, je vais le foutre là-dedans. Ok. Ok, ça aussi. Ça là-bas, en ressources diverses. Je crois qu'on a dit qu'on les foutait là-dedans, les ressources diverses. Ok, nice. Donc là, mon stuff est organisé, mes trucs sont bien. Ce qu'il me faut maintenant. J'ai 8 bâtons de blaze et combien j'ai de... Ah mais putain, j'ai des diamants là. Ok, 8 diamants de blaze et j'ai 9 œils. Et il m'en faut 16 plus. C'est plus. Je me rappelle plus combien c'est, mais il m'en faut plus. Je vais poser ça là. Faut juste se rappeler que j'en ai 9 et on va en chercher on va en chercher plus, hein. Bonjour à tous. Ah là-bas, on n'avait pas fini le chemin. Je vous aime toujours. Et là-bas, c'est biome bleu. Link 4 et 1 BG ultime. Bah, on va laisser la faire là-bas. Merci beaucoup, E4, c'est gentil, merci mille fois. On va aller les chercher là-bas, même s'il y a peu de chance qu'il y en ait, hein. Je sais pas, on galère de fou à en trouver à chaque fois. Ah oui, mais en fait, il n'y a pas un bail où c'est pas le bon biome ou je sais pas quoi. D'un fois, on m'a dit il y avait une filouterie. Il y a quelque chose qui allait pas, je me rappelle plus quoi, mais il y a un truc qui allait pas. T'as pas un double saut? Si, j'ai double saut. Mais par contre, il y a pas d'Enderman. Il y a une technique, les gars, en vrai, pour en trouver ou pas? Genre, on en voit jamais. Jamais, jamais. Sinon, je vais dehors, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a plus dehors, limite. Il y en a aucun, là? Il y en a aucun nulle part, en fait. Baisse ta rendeur distance. Pourquoi? Ça change quoi? Genre ça se décharge et ça se recharge en gros, c'est ça? Sinon je peux peut-être faire le début de mes perles pour aller au portail et après farmer mes perles vers le portail. Je pense que c'est un peu con. Trade avec les piglins. Bah oui, j'avoue, je peux trade en fait. Le truc c'est qu'il y en a pas beaucoup des piglins. C'est vrai qu'on peut trade parce qu'on n'a pas trouvé de bastion, mais vu qu'on a déjà le beaucoup beaucoup d'or. J'ai eu un petit coup de chaud là. J'avoue, je vais trade, c'est pas con du tout. Je vais aller looter l'or là-bas, je l'ai toujours pas pris. Donc autant en profiter.
prends ça et après je vais chercher des cochons partout. Alors attends, tac. Je vais avoir largement de quoi trade en plus, vraiment largement. Là-bas, il y a un biome rouge, c'est peut-être l'occasion. Hein. En vrai, c'est pas con du tout, je pense. Comme call. En plus, si je vais pas... comment ? Si je vais pas dans une forteresse, je vais pas me faire attaquer. Enfin, dans un bastion, je vais pas me faire attaquer par les cochons chiants, là. Donc, c'est tout bénef. Salut, Terry. Attends, ça, il me faut ça. Ok. Et là, le spawner, il est... J'ai détruit ça, ils peuvent rien faire. Je cherche juste le spawner. On va en profiter pour looter. On a toujours pas loot ici, donc... autant le faire. Je pense que si je me mets là, ils vont essayer de monter. Mais je sais pas s'ils le peuvent. Faut juste qu'on me fasse pas tomber dedans. Ça, c'est un peu le souci du truc. Je vais essayer de leur faire un petit accès. Je crois que je peux pas. Je fais ça comme ça, avec le petit rebord. Si jamais quelqu'un fait spawn quelque chose, je meurs pas. Ok, je pense qu'ils peuvent pas monter. Faut juste espérer que je tue avant que quelqu'un fasse un coffre. Yo les gars, salut ceux qui arrivent. Les gars, l'autre gardien, il est perdu pour toujours par contre, hein. Ok, plus rien à craindre. Je vais tout looter. Ça me fait chier le pop-up Xbox à chaque fois là, je m'en tape de leur truc. Nice, il reste les deux blocs en dessous. Ça on a, ouais on a regardé. Les gars, je vous jure que c'est maintenant. Le dragon c'est aujourd'hui, je le sens. On va y arriver genre. Je vais enfin réussir à faire ce truc. Je me mets vraiment en mode speedrun, tout pour le dragon. On dirait le logo Twitch un peu ça. Je dis un peu. On y croit, moi perso j'y crois. Alerte 25 mois. Alerte, alerte. Merci pour les 25 aussi, merci beaucoup. Après le dragon, c'est fini ou il a pas du gain de faire commencer? Ah bah après le dragon, ça commence surtout. Après le dragon, ça commence et il me faut le dragon pour faire mes trucs. Il y a plein de monstres à battre, il y a plein de trucs. En plus, il y a des modes qui ont ajouté des boss et tout, enfin... C'est le dragon, c'est le début de l'aventure, c'est ce qui va me permettre de faire mon stuff surtout. Mais il n'y a pas d'histoire d'appât du gain, honnêtement je suis content de gagner de la thune évidemment, mais quand un jeu me plaît plus ou m'a gavé, je me force pas pour faire plaisir quoi, ça a jamais été le cas, ça le sera pas. Il faudrait que je finisse quand même le chemin là-bas. Attends, non, je suis con. Pour trade, c'était là-bas, le biome rouge. T'es hardcore? Non, mais l'aventure est hardcore. c'est, y a pas besoin d'aller en mode hardcore pour que l'aventure le soit. Je fais juste un chemin. Pour revenir tout à l'heure. Ok. C'est un peu risqué. Ça me plaît pas trop en fait. Je voulais faire le chemin là, là. J'avoue que ça me plaît pas vraiment.
sentais que quelqu'un allait faire le bâtard, j'en étais sûr. J'en étais sûr et certain. Je me suis dit, en vrai, j'ai le temps de le voir spawn, mais en fait, même pas. Comment t'as clutch? Ouais, le double saut, c'est trop fort. Ok, il me refaut des blocs. Je vais aller en chercher là-bas. Je vais pas prendre de risques. En vrai, GG, va te faire foutre, va te faire foutre. M'adresse pas la parole. ne communique pas avec moi. Il dit en vrai GG après avoir essayé de me faire perdre toute mon aventure, ce gros chien. Oh, en vrai GG, hein. J'aurais tout perdu, sale bâtard. Oh, franchement, respect, là. Respect sur ce coup. Vous l'emporterez pas au paradis, ça. Je vous le dis. Je vous le dis, vous ne l'emporterez pas au paradis, les gars. Salut, mon Noah. Noah, en vrai, on est tranquille, là. Vu qu'il est interdit bancaire, maintenant. C'est pas lui qui va me faire chier aujourd'hui. Et le dragon, c'est in the pocket. Les gars, je vous jure que le dragon, c'est tranquille, là. C'est aujourd'hui, c'est tout droit. Les gens de la dernière fois se sont trop ruinés. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Merci, Gold. Merci, Mens, pour le sub. Hello, la team. Bon courage pour le dragon. Je refais pas le bûcher. J'en ai rien à foutre. Je referai pas le bûcher. Voilà, je le dis. Je le dis. Je referai pas le bûcher. Y'a aucune raison. Y'a aucune raison. Comme par hasard, t'es dans le Nether. Ça va toujours sur le toit du Nether, cette merde. T'es où là? Je suis sur le toit du Nether, je peux rien faire, je suis bloqué pour toute la vie là. Toute la game, je suis bloqué. Ben je le saurai pour la prochaine fois, hein. Je le saurai pour la prochaine fois. C'est le moment de mettre la cam spéciale, s'il te plaît. Ben je sais pas comment faire. Merci, j'ai même pas de quoi faire un bûcher. J'ai même pas de quoi faire un bûcher, let's go. Coucou Arnaud, t'as ressorti la casquette de l'ancien. C'est ma casquette pour toujours, ça, je l'aime trop. Y'a un moyen de glitch autrement, les gars? Genre de descendre autrement? Pousse d'arbre. Ça donne pas de... Ça donne pas de pouce. Bateau, je pense que je peux pas. J'ai même pas de bois. Attends, là, il y a du bois. Je vais prendre le bois. Il y a un glitch avec piston TNT. Mais t'en as pas, c'est dommage. TNT, ça, c'est sûr, j'en ai pas. Je vais fouiller, voir si je peux trouver un truc. Sinon, je me give de l'obsidienne, hein. Ça peut donner des pouces, les gars, ou pas? Ce truc-là. C'est quoi, ça? Pollen. Pollen dust. Je sais même pas ce que c'est, ça. Ember gel. Ça, on peut crafter un truc avec, les gars, ou pas? Le basalte parle jusqu'ici. Bah, les gars, je suis niqué, je pense. Parce que je peux même pas avoir de pouce. Oh, mais ça donne une pouce, ça. C'est une pouce d'arbre? Ah non. Oh, petit bonhomme. Toi aussi, t'es perdu. Salut, mon ref. Oh, ça glisse, ça. Les gars, je sors pas d'ici sans mon nouveau pote. Le glitch des pouces marche que dans l'ancienne version. Ah. Ok. Bah, je vais me give 4 psy, hein. Je suis bloqué pour toute la vie, les gars. Je peux rien faire.
Ça fait quoi si quelqu'un me re-téléporte à 20 cases, là? Oh, waouh! Mais attendez, mais c'est incroyable cette texture! Je vais faire toute ma maison en ça, moi! Ça te laissera au-dessus. Mais pourquoi ça téléporte forcément sur le toit du Nether, votre truc? C'est bizarre, en vrai, non? Tu resteras sur le toit, je pense. Mais pourquoi ça fait ça? Sinon, spawn Silverfish et tu te laisses mourir. Non, jamais, c'est bon. Je vous ai déjà fait le cadeau une fois sans aucune raison. Je vais pas reperdre mon stuff pour faire plaisir à tout le monde. Oui, meurs, c'est mort, Noah. Tu n'auras pas ce plaisir. Noah, malveillance max, il est vraiment trop malveillance, Noah. C'est grave, par contre. Je vais essayer d'avoir 4 psy avec le pig, je suis vraiment trop un bon joueur par contre, c'est grave. Hein. Ouais, j'ai un briquet. Je vais essayer de sortir d'ici sans tricher. Ça, on peut faire un truc avec? J'en étais sûr. J'en étais sûr, j'ai trop de bonnes connaissances. Oh bâtard. Oh putain. Mais Gold, mais vraiment, il y a une volonté. Je suis sûr qu'il a fait ça pour essayer de tuer mon pote le cochon. Je suis sûr et certain qu'il a juste voulu tuer mon pote le cochon. Mais sûr. Il veut que je reste ici pour toujours. C'est quoi ça encore? Eh, c'est bon, c'est bon. C'est juste un cul, toi. On se fait des blocs. On se fait des blocs, en veux-tu, en voilà. Pendant que l'autre, il trade. J'espère juste qu'on aura de la chance sur les trades, parce qu'en plus, ça va prendre 2 heures de trade. J'aime bien le bruit quand on casse ce truc. Je pourrais en péter toute la journée. Peut-être pas toute la journée, mais genre une demi-heure, quoi. Merci pour les steaks, la team. Merci mille fois, vous êtes bienveillant, contrairement à certaines personnes dans ce chat dont je tairai le nom. Mais ça commence par Noah et Gold, leur pseudo. Pour vous mettre sur la voie. Allez, j'ai assez de blocs. On va voir où il en est, mon collègue. Top, top. On y est, les mecs. On y est presque. Il y a le basalte qui dit quoi couper en plus. Mais je fais comment là? Il m'a donné de la pleureuse en plus, exact, ouais, le bâtard. Ok. Et il m'a pas donné de... Tant qu'à faire, il aurait pu au moins me donner une perle, mais même pas. Je sais pas à quoi ça sert, ça, le pollen. Ça doit être un colorant, je pense. Un puissant colorant. Merde, j'ai ramassé tout l'or. Trade, mon vieux. Fais-toi plaisir. Il aurait fallu, je trouve... Bah, what the fuck? On prend, hein. Je peux avoir des bâtons en faisant rien, ouais. J'ai eu des bâtons ou pas? Aucun. Il m'a donné quoi? J'ai toujours pas d'opsy. Un peu la merde quand même. C'est quand même un peu la merde cette histoire. Il me donne des potions crues. C'est trop nul, genre. J'entends quoi couper en fond en plus. La pleureuse, je vais garder. Fire truc, on s'en fout.
Fire Resistance, on prend. Soul Speed, on s'en fout. Deux, ok, plus qu'une. Ah non, plus que deux. Et il m'a pas donné un seul œil. Bon, c'est mon pote le cochon. Hésitez pas à invoquer des coffres, hein, les gars, en attendant. Y'a rien d'autre à foutre, de toute façon. Tout ça à cause de gens qui essayent de me saboter. Merci, merci Sina, merci beaucoup. Sous speed, en vrai, on s'en tape. Gold. Gold, tu l'emporteras pas au paradis, ça. Oh non. Oh, attends, attends, petite strasse. Voilà, une pierre de couche, s'il te plaît, les chaussures de lapin. Oh non, non, non. On n'y arrivera jamais à avoir ces chaussures. Je crois qu'il m'a encore donné de la pleureuse, le troller. Merci Bifo pour les subs offertes, tout de même. Tout de même, malgré tout, cependant. Ok, ok, ok. Ça, pour farm XP, c'est bien, en vrai. Hein. Il t'a donné un d'opsy. Non, j'ai que deux. J'ai que deux, j'ai que deux. Imagine quand t'as les 4 opsies dans la main, quelqu'un t'offre 30 subs, ça fait quoi 30 subs? Merci Mathilde pour les 15 mois, merci mille fois. Ça fait quoi 30 subs? Ça clear ta main. Mais pourquoi vous parlez dans le chat? Les gars, je vais cliquer très vite, croyez-le, je vais cliquer très très vite. Hop là, déjà vous êtes baisé pour celle-là. Le saviez-vous? Grâce à Prime, vous avez perle, okay, on prend. Et vous dépouillez Jeff Bezos. Hein, merde, j'ai pas Prime. On prend, on prend. Dommage, les mecs. Noah a une idée, mais il va rater, voilà, comme d'hab. Il va s'endetter, le banquier va l'appeler ce soir. Tout ça pourquoi? Pour fail une énième fois. Encore un fail insoutenable. Hop là! Bah alors Noah! Tu devrais prendre exemple sur Thomas et passer du bon côté. Être un vrai bon gars. Allez, plus qu'un d'opsy. Les gars, c'est tellement long sa mère. Au moins la prochaine fois, si on me retéléporte, j'aurai un portail. Attends, on est en quelle pause? Moins 244, 466. S'il y a moyen de faire une commande sauvetage Nether. Moins 244, 466. Moins 242, 467 exactement même, voilà, si on veut être précis. Ok, ok. Let's go! On est sauvés! Hop là, rends-moi mon or, toi, bouffon. J'allais tellement vite, j'ai pas hésité une seconde. Et là, je suis au-dessus du vide. Il a le mérite d'exister, ce portail. Voilà. Il a le mérite d'exister. Je suis où maintenant? Je dois être loin, hein. J'ai marché un peu sur le toit du Nether. Ah mais non, remarque, non, savane. Attends, attends. Là, il y a triple village. Barako, the Sun Chief. Barako, c'est qui lui, Barako? Les gars, il y a Obama dans le village. C'était quoi ça, Barako, the Sun Truc? Va voir, mais j'ignore où il est. Attendez, les gars.
Les gars, c'est quoi ça? Côté. Mais attendez, mais c'est un village de côté, les gars. Côté. C'est un village de côté. Faut que je sauvegarde avant de me fight. Attendez, attendez. Je vais dormir avant d'aller me fight. Il est chaud ou pas? Merci, merci. Merci beaucoup, Tipois, pour le sub. Ah oh, putain, y a pas de lit. S'il y a pas de lit, je le fais pas. Hein. Mais c'est quoi ce village de merde? Ils dorment où les villageois? Mais les gars, ils dorment où les villageois? Merci Hello, merci Soso. Mais c'est pas possible. Genre, y'a aucun lit dans le village, là? Tous les lits ont été remplacés par des tables de craft, mais ça a aucun sens. Non, non, non. Je crois que j'ai 16 spawns, hein. Non, non, non. Ouais, j'ai 16 spawns. Les gars, c'est maintenant. C'est maintenant. Le village de côté, on va enfin passer... Peut-être le boss ultime. Ah, il m'a pas donné de perles, le bâtard. Les gars, c'est vraiment un village entier de côté. Lui, on l'a jamais vu, ce boss, hein. C'est la première fois. Mais il fait quoi? Il les invoque? Il joue le... Il bouge pas, le chef. Oh, wow. Oh, what the fuck? Ah, d'accord. Ok, il invoque des lasers, en fait. Enfin, des lasers. Il fait tomber la foudre. Mais il tue ses collègues et tout. J'ai l'impression qu'il tape un peu random. Ouf, putain, j'ai failli me défenestrer. Oh, il est stylé, mec. Ok, il bump. On va jamais faire le Drake, c'est que toujours pareil dans ce jeu, on va jamais faire le dragon. Il est stylé en vrai par contre. Il fait zéro dégâts. Je vais réussir à le tuer avec le temps. Mais par contre, quand il y a la foudre, ça invoque un côté, c'est ça le truc. Oh mais mec, attends, la quantité qu'il y a là. Ça invoque les côtés, la foudre les gars, c'est quoi le bordel? Genre, je comprends pas d'où ils sortent tous les côtés. C'est dangereux ici, hein. Ah mais non, c'est les impacts de foudre, en fait. J'ai cru qu'à chaque fois qu'il y avait la trace par terre, ça frappait, mais en fait, c'est l'inverse. Oh, what the fuck? Il se passe quoi, là? What the fuck? Oh, il régène! Cassez-vous! Il le régène! Mais stop, bande de chien! Ouah! Oh mon dieu! Il a un ultra laser! Oh putain, je m'attends. Alors, ça, si ça faisait des dégâts, j'étais tellement mort! Aïe! Mais putain, mais. Mais c'est broken! C'est quoi ce truc?
trop broken. Waouh! Mais attends, mais what the fuck? Oh, vas-y, tu vas pas mourir, il fait trop mal, vous êtes des fous! Regardez la vie du boss! Mais what? Mais les gars, il est intestable ce boss, c'est quoi cette merde? Oh, oh mec, ma vie, putain! Attends, il est dans le mal là par contre! Mec, les dégâts qu'il a! Au secours! Mais je suis bloqué là pour toujours là! Comment je sors d'ici, putain? Il est full life! Il est full life! Mais c'est pas possible ce boss! Mais comment je fais? Mais attendez, mais il est broken par contre! Là, il est en or, je peux carrément pas le taper! Je suis obligé de taper les côtés qui se linkent. C'est broken. Attends, c'est à chaque fois que je reviens comme ça. En vrai, le double saut, ça carry de malade. C'est trop... Non mais c'est trop grave là. Aïe, oh, putain. C'est trop broken. C'est une dinguerie. Ah, si en plus ils prennent pas les dégâts, ça va pas m'aider là. Il est intouchable quand il fait ça. Mais pourquoi il y a des côtés à l'infini? Il sort d'où? Il est en mode immortel parce qu'il y a lui qui est Link et il est caché sous la map. Oh, c'est trop broken, mec. Je me demandais pourquoi je pouvais pas le toucher. Ah bah, il a puta, il a dit. Il est full vie. Ah, regarde, il les crash. Oh, le bâtard. Il va être full vie. Il y en a encore un sous la map. C'est trop broken les gars qu'il y en a un sous la map. What the fuck? Sale chien, sale chien! Putain, la vache, c'était dur! C'était tellement dur, les gars! Oh, dis-moi qu'il me droppe un truc genre en mode lance-soleil. Attends, attends. Les gars, je sens que c'est possiblement un truc de fou, là. Never Breaks équipe.
Right click with Barakoa mask to spawn follower. Right click a follower to... Non. Attends, quoi? Equip then right click with Barakoa mask. Bonsoir Linkalove. Ah, c'est ça se met genre comme ça? Mais il est où mon casque? J'avais un casque. Je peux invoquer des côtés, ben c'est ce que je comprends, mais j'y arrive pas. Equip then right click. Spawn follower right click. Je peux pas, les gars. Genre, ça ne marche pas, quoi. J'ai un inventaire depuis tout à l'heure. Retire les torches. Non, il se passe rien. Equip then right click. Je peux pas. Right click avec un masque de côté dans les mains et le masque en or sur la tête. Mais mec, attends, mais là je suis le... Là c'est ultime là. Ah, et ça consomme mon masque par contre. Attends, venez les côtés. Genre là, si je me bats avec quelqu'un... Si je me bats avec quelqu'un, il faut que je farme de fou. Là, je suis le roi des côtés, là, les gars. Il faut que je farme de malade en vrai. Hein. Tu peux les récup. Les gars, je vais devenir le roi des côtés, vraiment. Je garde toujours sur moi quelques côtés et quelques masques. Je suis curieux de voir à quel point ils tapent. Ça se trouve, ils sont nuls à chier. Il est stylé, ce boss. Il était trop bien, le boss. C'est le meilleur design de boss qu'on ait jamais vu sur le jeu. Je suis sérieux. Hein. Je sais pas où est ma maison, les mecs. C'est quoi déjà la pose de ma maison, chat? Moins 4000... attends. Moins 4400, 2700. Oh oui, déjà. Toujours un réel plaisir d'être ici. What the fuck, attends, j'ai fait 3 pas dans, sur le nether, je suis à 1000 blocs de chez moi. Ok, on découvre qu'on a une jungle sur le chemin, ça c'est cool, je savais pas. On a une jungle. Il me faut vraiment un coffre chaussures de lapin, les gars. Vous oubliez pas, chat, c'est mon dernier live de la semaine. Après, je suis pas là. Après, c'est en est fini de moi. C'est fini pour moi. Fin du rêve. Et ouais, je suis désolé, chat, je suis désolé. Tournage avec Rivenzo, il a fripouille. Attends, mais il y a des blocs de fer dans ces villages d'habitude. Ok, il s'est habillé en panthère et tout. Non, non, non. Ok. C'était pas dans cela qu'il y a le bloc de fer en fait, hein. Je me casse par là-bas. Bisous bouteille. Et comment j'ai pu me retrouver à 2000 blocs de chez moi? Vraiment, c'est lunaire là, les gars. On n'a pas couru à ce point-là sur le toit du Nether, si? Ah mais non, mais il y avait 300 blocs, ça, donc ça se trouve j'ai été téléporté déjà de base à 300 blocs sur le toit du Nether. En fait. Donc 300 blocs sur le toit du Nether, ça fait comment? Ça fait 900 blocs dans la vraie vie, non? Plus 1200? C'est 1 égale 4? Je me rappelle plus, c'est combien pour combien ou 1 pour 8 peut-être même, je sais plus. Un pour 8, ouais, c'est ok. Forcément, ça fait chier. X9, non, bah x8, visiblement.
Là, les gars, tu me rajoutes les chaussures de lapin et vraiment, c'est même plus une corvée de se déplacer dans le jeu, quoi. À ce point-là. Hein. C'est vraiment broken à ce point. Oh, par contre, attends, une lush cave, mais en extérieur. Waouh, mais attends. No fake, je pense que c'est la grotte la plus esthétique que j'ai jamais vue. Genre l'entrée de grotte comme ça, avec les trucs et tout, les fleurs, les machins. C'est trop beau. D'habitude, c'est en profondeur, c'est pourri, là, t'as le ciel en plus. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Bon, je me casse, hein, mais c'est trop beau. Installe-toi là. Non, on a le meilleur truc du monde changé, c'est trollé. D'ailleurs, je vais prendre ça. Parce que pour construire, c'est toujours pratique d'avoir quelques échafaudages. Ça devrait suffire vu qu'on peut replanter en plus. C'est quoi là-bas ? What the fuck, mais qu'est-ce que c'est ça? Faut que je sauvegarde. C'est beau ça encore, mais on va jamais faire le dragon là, à ce rythme, hein, vraiment. Niveau bloc, c'est pas terrible, terrible. C'est quoi ce truc de fou? Il y a des ennemis déjà? Il m'a mis un 3-6. Ah oui, d'accord. Ah, mais il tank de bâtard. Mais attends, mais what the fuck? C'est un 5 que je l'ai su. Faut que je vois s'il y a un spawner ou un truc avant. Des genres de big racines. Ok, là il n'y a pas de spawner. Là non plus. Tout doit se passer au-dessus. Sors tes côtés. Ah oui, c'est vrai, attends. Bah il fuit. Ah, peut-être qu'il faut que j'attaque pour qu'ils attaquent. Oh pardon, pardon, pardon. Réflexe. Il faut rien, il fuit, il pue la merde. Ils sont nuls à chier. Oui mais c'est fun, c'est réel. Réel, c'est vraiment fun. On va se refaire des blocs en speed, je laisse se fighter tant bien. En vrai de vrai, je crois qu'ils prennent un peu l'aggro par contre, ça c'est vraiment pratique. Ils sont morts, on les a entendus périr. Les gars, en fait, j'annonce, semaine prochaine, il va y avoir un arc Twitch un peu particulier pour ma part. Gomar qui m'a battu, ça va pas se passer comme ça. J'ai maintenant un objectif, c'est la double pastèque. Voilà, je vous le dis. Je vais celui qui a gagné, que ça on peut plus, je veux faire une putain de double pastèque. Ça fait partie de mes objectifs de la vie, en général. Nina, on va se toucher d'abord. Alors là, vous allez vous toucher, ouais. Alors attention. Je fasse gaffe parce que si je prends une flèche, c'est fin du rêve. Waouh! Oh oui, d'accord, ok. Ok, ok. Ils vont se battre entre eux. Si mes calculs sont bons, ils vont se battre entre eux. Nickel, je continue comme ça. Faut juste qu'ils se...
C'est une mutinerie. Moi, je laisse se gérer entre eux. Là, il va forcément y mettre une flèche à un de ses potes. Voilà, je laisse aller se battre. Eux, je peux m'en occuper. Sale chien. Mec, la quantité de mobs... J'ai pas vu de spawner, les gars. Je pense qu'il n'y a pas de spawner, il y a juste beaucoup de mobs. Sale chien! Y'a rien, chat. Je reste bien sur le côté pour pas me faire bum cette fois. Il est trop beau ce bois rouge, bah il est bien rouge. Mais putain, c'est pas possible! Mais comment ils font? Attends 2 heures, vraiment j'en ai pour... What? Pourquoi ils peuvent monter maintenant? Oh la mauvaise nouvelle, la bad news comme on dit. Beaucoup sont tombés. Et c'est tant mieux. Ils sont trop cons les mobs dans le jeu là. Il a l'air d'avoir du loot de fou. C'est infini les mecs. Il me faut vite une épée. Une bonne épée. Hein. Il y a beaucoup de monstres qui sont full stamina. Iron, putain, dommage. Dommage, alors là, je pense qu'on avait le truc de l'année. Hein. On avait vraiment le coffre de l'année. C'est pas fini. La quantité de diamants, les gars. De fer. Ok, j'ai jamais vu de corde comme ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh là là. Ok. Ok, ça c'est de la merde. Est-ce qu'il y a d'autres coffres ici? Je vais essayer de faire le truc par étapes. BGRT okay. Témonte, j'espère que vous allez bien. Déjà 9 mois de bonheur, Link, I love, Link, I love. Que vous allez bien. Tout le monde va bien, merci. Merci beaucoup pour le soutien, c'est gentil. J'espère que vous allez bien. Ok, bon là, il n'y a rien. On va looter en dessous, hein. On va faire par étapes. Ça va durer longtemps, les gars, je pense, hein. Je sais pas s'il y a un coffre en dessous. Je vais peut-être checker avant de faire quoi que ce soit, non? Ok, il y a des trucs. Oh, le creeper, il pourrait... Ok, il y a un coffre. Le creeper, il pourrait peut-être faire mes affaires, là. Ok, ça va se fighter. Ça va se fighter. Voilà, mets ta flèche. Bâtard. Ah, il a pété le coffre. Oh, merde. Attends, je vais les faire tomber dans le trou.
Oula, ma vie. Oh la vache. Alors, attendez, parce qu'ils font mal, hein. Ça rigole pas du tout, par contre. Je vais avoir du mal à looter le coffre, les gars. Et il va remplir mon inventaire salement aussi. Je vais peut-être... Attends, faut que je bouffe, déjà. Les dégâts, ouais, ouais, on a pris cher. Je vais faire un coffre de richesse. Un sac, là. Le sac que je viens de ramasser, il va me servir à ça. Ça, je me repérerai bien. Je vais courir sur le loot. Ça fait très mal, hein, les gars, purée. Un peu choqué de la brutalité, là. Pas taper ses potes là. Vous pensez qu'il y a beaucoup de loot encore ou pas, chat? J'ai récupéré quoi? Stone pick-up enchanté. J'ai cru qu'il m'avait fait tomber et que c'était un peu la merde. Je sais pas s'il y aura du loot en dessous, je pense que oui. C'est qu'il y a tout le monde en bas quoi. Il veut pas tirer sur ses potes lui? Pourquoi il l'attaque pas? Oh, ils t'ont tiré dessus, man. Gars, ils se battent pas entre eux. Ils font trop mal. Le problème, c'est qu'ils vont tous venir en bas si je descends et je sais pas ce qui m'attend en bas. Vas-y, au pire, je me défenestre. Ok, alors attends. Là, je suis bien, je pense. Ok. Lui, je vais lui couper les pieds. Essayer de faire pareil à son collègue. Faut juste qu'il s'approche assez pour que je puisse le taper. Je vais faire par étapes, tant pis. Hein. Il doit avoir un truc là-dedans. Me casse les mecs, hein. Je me casse, les gars, c'est trop dangereux. Par contre, on a eu beaucoup de trucs, hein. C'était vraiment stylé. On est reparti, je crois que c'est par là-bas. C'était moins 4000. Moins 4000 quelque chose. Moins 4400 donc par là-bas. Et 2700 on y est quoi. Ok, oh waouh. C'est trop beau les biomes avec toutes les fleurs comme ça, j'aime trop. Vraiment j'adore. C'était bien stylé, on a chopé plein de diamants. En plus on en avait plus trop avec l'aventure de l'autre fois. Avec les problèmes de l'autre fois là, des diamants. Vraiment on est cool. Allez s'il te plaît les chaussures lapins, s'il te plaît le jeu. On les aura jamais ces merdes. Je commence à douter qu'elles existent les gars. Je vous le dis la vérité, je commence à douter. Et elles ont été retirées, elles ont, ça a été patché je pense. C'est pas possible. Toujours pas les patates de lapin mais non, on les a pas eues une seule fois, je comprends même pas comment, comment ça se fait. Merci beaucoup Mimi pour la tentative de coffre. N'hésitez pas chat, hein. Vous pouvez spammer les coffres autant que vous voulez.
Il nous faut ce truc, mais on n'arrive pas à l'avoir. On se déplace tellement vite. Ok, on n'est pas loin de la maison. C'est un lac de lave, là. On peut essayer de voir si ça nous... nous met à un endroit cool. Pour trade avec les piglins ou quoi. Je le tente. Merci Fouillou. Regarde juste. En fonction, on peut trade pour avoir les perles. Moi, je dis pas non. C'est chez moi, ça. Ah, bah attendez. Ça sera beaucoup plus rapide. C'est là où j'ai pas fini mon chemin. Oh, comme par hasard. Je tombe au seul endroit où il faut pas tomber. Bah super. Ok, c'était où? C'est là-bas. On dirait que t'es en créatif carrément avec la pioche. Tu sais que parfois, quand t'enchantes ta pioche au max du max, souvent elle est plus efficace qu'une pioche en créa. Ça me plaît pas trop ce que je vais devoir faire là. Plus efficace que créa. Ouais, c'est possible. Dégage de la salle, chien. Les gars, j'aurais eu une perle de laine, je tentais un truc de fou là. Je tentais un truc, tout le monde m'aurait insulté ou adulé au choix. Merci, voilà, mes gars. Ceci fonctionne, le prime coucou, le plus beau des plus beaux, du plus fort des plus agréables. Merci pour le prime poulet. Désolé pour le chat, mais parfois il faut faire des choix. Attendez, parce que là, la passerelle, elle me met pas en confiance du tout. Ça fait un d'épaisseur, c'est trop pourri, je veux vite partir. Ok. Ok. On est bien, là, on respire, chat. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça et ça et ça, les richesses. Ça, la corde, je sais pas à quoi ça sert. Okay. Rope and nail. Mais à quoi ça sert, rope and nail? Merci Cactus, merci beaucoup. Rope Baobab Bridge. Rope. Bâtard Noah. Ça vaut toutes les... Comment j'ai paniqué. J'ai tellement eu peur. Noah, t'es vraiment chien. Il est trop rapide, j'ai couru là. Je me suis vraiment chié dessus. Ok. De
deux ficelles. Est-ce que j'ai du fil? J'en ai pas assez. Oh que j'en ai. Ok, alors attendez. Les gars, je crois que j'ai trouvé le plus beau craft de tout le jeu. Merci Noah quand même d'avoir tenté de me tuer. J'ai rangé ma ficelle. Elle est où ma ficelle? Hein? Bah. Ah non, putain. Ok. Ok, et si je fais ça? C'est tellement beau. C'est tellement cool. Ah, on peut pas aller... Si on peut... C'est trop stylé! Mais je suis obligé de faire une cabane dans les arbres avec un truc comme ça. Hein. Et ça c'est quoi alors? Attends, fais voir. C'est un pont? Mais attendez, mais c'est incroyable! Ah bah je suis obligé. Les gars, je ferai pas une maison moderne, je ferai une maison dans les arbres. Je vais me créer une grande forêt avec des passerelles, des trucs, des machins. Obligatoire là. C'est tellement cool. C'est trop swag la team, pas vrai? Bonjour. Pas vrai l'équipe? T'as dit ça en fur. Moi je trouve que c'est ultra swag ce qu'on a vu. Ok. Ok et ok. Hop. Ma réserve de coffre là, elle est un peu miteuse du coup, putain. Alors attends, tac. Tac, tac. Ok, mon nouveau sac. My new bag. Ok. Et du coup, je récupère. Attends. Il faut que je m'organise autrement, là. C'est trop le bordel, mon truc. Unbreaking. Ok. Je vais récupérer... Tous les ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les foutre là-dedans. Ok. Mon coffre de richesse, on le remplit. J'essaie de m'organiser, les gars. Ok, coffre de richesse, pas mal. On a 11 perles, hein. En vrai, on avance de fou. Hein. Ok, coffre à bordel. Je mets mon bordel. Ok. Et là, je récupère tout ça. Ça, c'est un coffre à bordel et déco. C'est un nouveau concept. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Merci, Popom. Merci, Popom, pour les 10 subs. Bien tenté, enfoiré. Ok, ok et ok. Je vais me faire une caverne en obsidienne pour mes coffres. C'est bon, ma décision est prise. Ma décision est prise, je me fais une caverne en obsidienne. Rien ne pourra m'arrêter. Hein? Mais à quoi ça sert d'être invisible?
que c'est inutile vraiment. 30 minutes de minage de blocs. Putain, c'est vrai qu'on a un problème, c'est qu'on a toujours pas avancé sur notre quête principale là. J'ai trop hâte de faire la maison, les gars. J'ai vraiment trop hâte. J'ai combien de perles? Venez, on tente un dragon à 11 perles. Chat. Je pars avec 11 perles, ma bite et mon couteau, voilà. Et je prendrai des perles sur le chemin. C'est mieux que rien. Merci, mon Arthur. Ah, mais j'ai pas d'arc infinité. Bah non, 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 FF. Il me faut... Bah non, 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 fin du rêve. Hop. On retourne à sa place. Il me faut un arc infinité. Sinon, je peux pas dragon. Mais c'est ça, mon truc à bordel, en fait. Pousse d'arbre. Est-ce que j'en ai d'autres? Normalement, j'en avais ramené d'autres. Je crois, hein. Visiblement pas. Mec, j'étais sûr d'avoir d'autres trucs. Oui, c'est vrai que ça, c'est pour plus tard. Là, pour le moment, j'en ai pas l'utilité. Est-ce qu'on se ferait pas le bitcoin, là? On devrait en profiter. C'est combien sur combien, chat, déjà? Genre la pyramide, quelqu'un se rappelle? La base? Je crois que c'est 9, mais je suis pas sûr. Je crois que la base doit faire 9 x 9. Mais je suis pas sûr du tout. 9 x 9 blocs, ouais, c'est ça. Okay. Plus 36 blocs. 2 x 60 plus 36. Ouais, bon, je suis bien là. Je suis largement bien, ok. Je vais essayer de la faire en extérieur or. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Huit, neuf. On va bien avancer comme ça quand je ferai mon truc. 1, 2, 3, 4. Merci pour les 200 bits, Gico, et merci Fabien pour les 100 bits, c'est très gentil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. C'est énorme, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu fais quoi? Je crée un beacon et ça va me permettre de miner plus vite et de faire les trucs plus vite autour de chez moi. Ce qui est super pratique. Et vu que j'ai de quoi le faire, j'en profite. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, le calcul est bon. Il doit passer au-dessus le truc, on est d'accord? C'est pas en dessous. Oui, ok. Salut Arnaud. T'es encore en contact avec T-Live? Pas du tout, ça fait hyper longtemps, ça doit faire... je sais pas, je dirais peut-être 4 ans, un truc du genre. Hein. Bah en fait, à la fin de la... Quand on a arrêté la... Quand on a arrêté la chaîne, après plus jamais rien. Mais vous avez... Enfin, ça fait... Vous avez déterré un truc, là. Ça fait 1000 ans, vraiment. À l'époque, ouais, c'était il y a vraiment longtemps là pour le coup. Ok. Comme ça, elle aura apparence or, ça sera un peu plus stylé quand même. Donc là, je mets le beacon là-dessus et c'est gagné. Chat. C'est bien ça l'histoire. La lumière va être en or. Non, ça marche pas comme ça. Merci Rico pour les 100 bits, merci beaucoup.
Ça marche pas comme ça. Ok, il me faut 3 d'obsidienne. Il me faut du verre. Je dois avoir de... Ah bah tiens, mais... Il me faut de la pierre. Ok. 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 Après, il me faut du charbon. Ok. Ça, il m'en faut 3. Je pense que j'en ai pas assez, honnêtement. Ah, j'y ai vraiment cru. Ok. Ok, j'ai pas d'obsidienne, les gars, donc il faut qu'on aille en chercher, on n'a pas le choix. Où est-ce qu'on peut choper de l'obsi facilement? Il y avait un lac de lave par là-bas. T'en as, j'en ai que un d'obsi. Je mets quoi comme épice dans une soupe? Soupe à quoi? Je crois premier sac, bah j'ai tenté, j'ai cliqué. Premier sac c'est déco, vous avez confondu avec les briques du Nether je pense. Parce que j'ai double cliqué sur mon stack, donc si j'avais eu des trucs ça serait venu dans mon inventaire. Regarde tu vois y'a rien qui vient donc vous avez confondu soit avec ça, soit avec ces trucs là. C'est une soupe à quoi par pitié, là j'en peux plus les gars. Dites-moi ce que c'est comme soupe. Je ne réponds plus de rien si on me dit pas ce que c'est dans sa soupe. Potimarron, il a dit. Potimarron, moi j'aime bien avec un peu de curry et un peu de lait de coco. Je trouve ça très très bon, potimarron coco curry. Sinon, potimarron, qu'est-ce qu'il y a qui va bien dedans? En vrai, je trouve que le potimarron, ça... Bah, tu peux mettre sel, poivre et tout, mais ça a pas trop besoin de 1000 épices, tu vois. Full regret. Bonsoir à tous. Deux cœurs. Genre, c'est tellement bon de base. Cloquant, saxophone, chat. Mais moi, ouais, potimarron, coco curry, je kiffe de fou. Les gars, il n'y a pas de lac de lave. Qui dit pas de lac de lave dit pas d'obsidienne. Qui dit pas d'obsidienne dit les problèmes. C'est joli vers chez moi. On n'est jamais trop allé se balader encore. J'avais un espoir que ce soit de la mer et qu'on puisse looter en dessous, mais non. Ok, bah je me casse. Dans le Nether, t'as plein de lave, ouais, mais on peut pas la transformer. Ah, mais attendez, mais j'ai une grotte à côté de la maison, je viens de me rappeler. J'avais zappé, chat. Bon, bah du coup, j'ai fait le tour du monde pour rien, mais c'est pas très grave. Avec la musique, c'est bien posé. Ah, c'est salut, toujours comme ça, les lives ça, Minecraft. C'est de la moustache, ça se voit que c'est soigneux, tout ça. Et ouais, Miral, qu'est-ce que tu crois? J'ai fait attention. Minecraft, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il y a, Rico? Alors que les lives Suika, ouais, les lives Suika, c'est fou, branlette. Y'a pas un lac de lave? Attends, quand un beaucoup de mobs fait un L à l'envers, les mobs vont monter sur le L. Bah non. Bah non, ils vont pas monter. J'ai vu ton message tout à l'heure, mais ils vont pas monter. T'as manqué 2 alertes de sub. Non, vous mentez, prouvez-le. Merci, Oignon. Merci, Captain Guigui. J'ai rien loupé d'autre. Et Viral, j'ai dit merci. Rico, tu t'es sub, c'est ça? Et j'ai pas vu. Super, mais j'ai pas vu. Il y a eu un sub. Merci, Rico, pour les 100 bits. Bonsoir. Comment il va? Depuis, je suis désolé. Je ne pouvais plus passer quand je ne t'ai plus. Pas trop le temps. Prends mes sous. Rico, voilà pourquoi j'ai pas lu le message, parce que ça me brise le cœur en fait de savoir que tu prends plus le temps de venir me voir. Là voilà la triste vérité, mon garçon. Oh
Hop là, ils ont cru que j'allais mourir. Bah non. Hop 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 hop. Attends, parce que les perles d'Enderman ça m'intéresse. Par contre, il y a 18 monstres. Il y a un peu trop de mobs, les gars. J'arriverai pas à me faire les Endermen, je vais me faire pousser par tous les trucs comme ça là. Je joue les Endermen quand même, chat, ou pas? En vrai, j'ai besoin des perles. On a un dragon à les battre. Il devrait se caler dans ce coin là. Merci Rico. Voilà, c'est dit. Passe MP. Non, non, merci. Non, merci Rico, mais c'est vraiment gentil. Hein. Merci pour la propale. Hein. Hop là, toi tu vas me donner une perle aussi, comme ton collègue. Bonjour Arnaud, je suis très heureuse de fêter ces 28 mois avec toi. Désolée de ne pas être présent sur les lives, mais je regarde toutes les rediffusions et c'est un vrai plaisir. Link à love, link à love. Merci Blanche, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Chérine aussi. Il me manque butin. Bah alors on s'est pas visé, gros nulos. Par contre je vais péter les plombs. Y a pas de lave, les gars, c'est que des chutes de lave. C'est que des chutes de lave, y'a aucun aucune source. Peut-être suis-je trop haut. Ah attendez, attendez. Qui est-ce que je vois là-bas? Mais y'a la masse d'Enderman, mais pourquoi se faire chier à trade? Oh non. Moi ici il peut pas venir. Ok. Bâtard, ça m'a fait tellement peur. Je sais pas où il est allé, l'Enderman. Ok, il est là. C'est calme là d'un coup. Merci à qui? J'en ai eu ou pas? Non, j'en ai qu'une seule. Bon, je vais chercher l'obsidienne, on va s'en tenir au plan. Attends, est-ce qu'il y a de la lave en dessous? Non. Parce que si ça disparaissait après avoir galéré dessus pendant 2 heures, ça m'aurait fait un peu chier. Est-ce que j'en prends un peu plus, les gars? Parce qu'on a tout le temps besoin d'obsidienne et on en a jamais. Il te faut looting aussi sur l'épée. Ouais, il me faut trop de trucs, en fait. J'ai toujours pas eu l'occasion d'enchanter mon stuff. Mais c'est long d'XP. C'est très très long d'XP. Et la dernière fois, on a eu 200 levels et les 200 levels qu'on a eu, on les a perdus. À cause des viewers malveillants, voilà, j'ai pas peur de le dire. On aurait pu là être full stuff, full enchanté. Mais la malveillance en a voulu autrement, malheureusement. Attendez, par contre, l'obsidienne, je le farm comme si c'était du bois. Du bois quand tu commences le jeu. Même plus vite encore. Et d'un soir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une fois où j'ai choc aussi, ouais, réel, réel. Je vais reprendre un peu de bleuit. S'il te plaît, donne-moi les pattes de lapin. S'il te plaît, le jeu. Fais chier. Le jeu me déteste. Il y a du diamant là-haut.
Je fasse gaffe parce que s'il me pousse avec son arc là, je l'ai un peu dans le cul là. Je prends mes full. What? Attends, je suis quasi sûr que j'ai vu deux diamants. J'ai sûrement tort, hein, mais j'étais quasi sûr d'avoir vu deux diamants. Il me faut de la bleuite, mais j'en vois pas. Je suis peut-être trop bas. Je voulais voir ce que c'était. En fait, ça a disparu, mais ça m'a guidé tout droit vers le diamant. On prend, tant pis pour le... Tant pis pour le... Comment on ira dans d'autres grottes si on en veut plus. Parce que moi, à la base, je voulais attendre d'avoir les bons enchantements sur mon... Ma pioche. Mais vas-y, autant avoir des ressources. Ah, là-bas, il y en a. Qu'est-ce que j'ai du dragon? J'y vais, là. En vrai, franchement, je pense qu'on peut aller le chercher, honnêtement, les gars. Je pense qu'on a assez de trucs. Juste, ça m'aurait fait plaisir. Enfin, ça m'aurait mis bien d'être niveau 30 avant de partir. Pour essayer d'avoir le... Mais non, mais en fait, je vais essayer d'avoir le truc. Je monte level 30, là, en speed. Est-ce que j'XP beaucoup avec ça? Genre, si je prends tout ce que je vois, là, il y a un monde où ça monte vite ou pas, les levels? Ce qu'il me faut, l'arc, en fait, c'est vrai que j'avais oublié. Genre, je tue les mobs et tout. J'ai des trucs d'extra XP, normalement. Mais j'ai plus de stuff. J'ai plus du tout de stuff. Level of fortune. Ah, mais c'est pour ça que j'ai vu deux diamants tout à l'heure. Ok. Et ça, j'ai plus d'expérience. En fait, je suis tout nul, là. Bon, mais raison de plus de farmer. Là, j'ai plus de d'XP, plus de loot. Je vais me soigner et je vais aller là-bas. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs à de ressources à ramasser. Faut que je fasse gaffe du coup parce que si j'ai pas d'armure, je vais prendre cher très vite, je pense. Est-ce que mon casque là, il me donne... Attends, il me donne 2 d'armor. 2 d'armor, c'est beaucoup ou c'est de la grosse merde? C'est éclaté, non? Genre, il faudra que je le change. Tu vois, il m'a donné encore 2 trucs. C'est comme le fer. Ok, ouais, c'est de la merde. Je dois être proche de la maison là, mais par le dessous de la terre. Parce qu'il y a le truc Ender Guardian qui est réapparu. Alors qu'on ne l'avait plus. Je vais essayer de remonter par un tout droit comme ça, j'aurai un accès. La pioche, ça va, elle tank de fou, même si on n'a pas raccommodage encore. On est niveau 29. Je vais me battre. Je vais me battre avec tout ce que je trouve. Oh, attends. Ouf, oh là là, putain. Je me suis dit, on n'est jamais allé là-bas, ben on a bien fait. Nice. Je me rends pas compte à quelle vitesse le niveau 30, ça va arriver. En tapant des mobs. En fait, il me faudrait le 33, mais vas-y, 33, j'ai un peu la flemme, honnêtement. Je laisse se fighter entre eux. En vrai, ça monte vite, hein, les levels. Oh, il a un sac à dos bling bling, lui. Attends, eux, ils sont trop agaçants. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que j'ai zéro stuff. Donc, je pense que je peux vite me faire surprendre si je me fais prendre par plein de mobs à la fois. Ok, on est niveau 30. Je me casse, les gars.
Redstone donne pas mal, non? Je sais pas du tout. Ils se battent entre eux. Je joue le 33, vous pensez, les gars, ou on s'en fout? Je fête mes 22 ans en même temps que mes 1 an ici, l'incamour. Vas-y, c'est un autre sub, c'est un feu d'artifice. GG, mec, pour les 1 an, merci beaucoup. Et merci pour le sub niveau 2, Mathis. Joyeux anniversaire. Oui, 33, mais je le fais ici, vous pensez? Alors déjà, vous souhaitez joyeux anniversaire à Mathis dans le chat. C'est devenu la priorité numéro 1. Et après, on parle. Ah, ok, ça XP pas. Pas envie, Yoshi. Yoshi, t'es de mauvaise humeur, t'as passé une mauvaise journée. Ok, on sonde là-bas. Yoshi, c'est horrible, tu dis joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Poulet, en tout cas, pour le niveau 2 et pour les 1 an de soutien, c'est très gentil. Et donc là, on est vers la maison. Joyeux anniversaire. Linkaos, Linkaos. Merci beaucoup. Oh. Ça a failli être une catastrophe. Ça aurait pu être une cata, vraiment. Au secours! La vache, il fait chaud ici! Régène rapide. Merci beaucoup. Ça, c'est des viewers avec le cœur sur la main, ça. Les gamins, là, c'est horrible. Toujours pas les pattes de lapin. Ça ne veut pas. Ok, niveau 31, les gars. Ça va vite. Hésitez pas à invoquer des coffres. On y va, on se fait plaisir. Je vais sauvegarder ici. Ça, on sait qu'on en a besoin maintenant. Là-dedans, j'ai quoi? C'est vraiment ressources diverses. C'est je vide mon sac et je trie plus tard, quoi, en gros. Allez, hein. Ça fait un peu chier, mais... Ça fait un peu chier, mais c'est tellement le bordel, l'inventaire. Je suis un peu obligé. Merci pour la régène rapide, merci beaucoup. Là, y a rien. Y a pas beaucoup de mobs. Ah bah attends. En vrai, niveau 31, ça suffit peut-être. Parce que je peux reset niveau 1, je suis pas obligé de faire 2 enchantements niveau max. Après, autant faire les choses bien. Il est quelle heure? Il est tôt et tout. Vas-y, je fais les choses correctement. Ok, ils se fritent entre eux, j'en profite. On récupère la bleuite en plus, donc ça m'est bien. Je bouffe et je descends. Salut les gars, salut à ceux qui arrivent. Coucou Ricky. Ok. Putain, c'est immense en vrai ici. Hein. Voilà, il y a masse mobs qui ont spawn. Faut pas qu'ils explosent. Sinon, je prends pas l'XP. Ah. Ok,
Ok, j'ai eu l'XP, j'ai l'XP mais sauf de celui qui explose en fait, je crois. On est bientôt au niveau 33 les gars. Genre il m'a touché en l'air et tout. Putain, tout à l'heure j'ai fait une game de Fortnite, j'aurais tellement aimé être en stream les gars. Je me suis pris la plus grosse balle de sniper de toute ma vie, j'étais en avion. Je campais comme un gros bâtard avec mon avion, je me suis dit vas-y je suis safe et tout, je tournais dans les airs. Parce qu'on était top 5 ou top 6, je sais plus. Il y a un mec qui m'a mis une balle de sniper et m'a one shot. Dans l'avion. Je me suis demandé s'il cheatait pas et tout carrément. La balle elle me paraissait vraiment impossible, il a mis la balle de sa vie. Il y a du cheat sur Fortnite chat ou pas? Ceux qui connaissent un peu le jeu. Oui. Mais il n'y a pas des trucs anti-cheat machin? Genre ça marche pas? Merci what the fuck, merci beaucoup. Yo, Linka, non mais what the fuck. Je me permets de me sub avec mon prime. Permets-toi, permets-toi. Ça fait plaisir. Visage souriant. Merci pour le prime, merci mille fois. Qui a fait ça? C'est toi? Allez, dégage. Attends, c'est XP ça aussi. Hop, salut, dégage aussi, désolé. Ah, j'ai pas eu le temps de faire mon saut. Niveau 33, allez, on se casse. Je vais essayer de me faire un tout droit ici. Mais j'ai pas beaucoup de blocs en fait là. Genre un tout droit, je remonte par là et on voit où j'atterris. Je pense qu'on est à la maison. C'est vrai qu'il y a des scripteurs malgré l'anti-cheat de League of Legends. Sachez que si vous cheatez, vous êtes une grosse merde. Voilà, je le dis haut et fort. Avoir besoin de jouer, de tricher pour être bon à un jeu vidéo, c'est la honte absolue. En plus, t'en tires même pas de... Genre, y a rien de positif. T'es là, bon, bah voilà, bah, t'as gagné, bah ouais, bah super, mais en même temps, t'as triché, donc je comprends même pas ce qu'il y a à en tirer. Je vous jure, au premier degré, je comprends même pas. Cheat sur Maître Yi, imagine, bah ça sert à rien. Pas de l'argent, c'est payant les cheats. Mais non mais ils gagnent pas d'argent ceux qui... Oh. Oh merde, je suis où là? Ils gagnent pas d'argent ceux qui utilisent les cheats. Genre t'as rien à y gagner, t'es juste là, voilà, tu gagnes des un elo que tu mérites pas. Bah super. Je comprends pas l'intérêt premier degré. Cassez-vous là. Quoi ça? Je suis près de la maison, vous pensez, chat, en vrai ou pas là? Là ils font ça pour vendre les comptes, je crois. Ah ouais, ok. Ouais, là ça fait sens. Enfin, c'est pas pour ça que c'est bien, mais dans ce cas de figure là, je comprends. Mais ceux qui... Mais attends, mais what the fuck, je suis pas du tout à la maison. Ah si, ok, ok, je suis à côté. Mais dans le cas de figure où les gens trichent pour monter, je comprends pas l'intérêt, genre, tu vois, je vois pas du tout ce que t'as en tiré. Il y a eu pas mal de cheats pendant la compète d'Inox. Il en a retiré 35 du tableau des qualifiés, mais c'est trop la honte, genre. C'est trop la honte. Là, dans ce cas de figure, il y a un truc à en tirer, tu vois, il y a de l'argent en jeu, donc c'est encore autre chose. Moi je parle des gens qui trichent en étant chez eux, tu sais. Ils sont chez eux en slip, ils trichent, ils gagnent et ils disent putain, là j'ai bien triché là. Genre je comprends pas du tout, vraiment ça me dépasse de ouf. Mais où est-ce que j'ai foutu mes enderperles les gars? Ah mais je les avais changés en truc, ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Coffre à bordel, paf 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 paf. Paf. Coffre à richesse, paf paf. Ok. Mon bitcoin. Et du coup, vous m'avez dit les gars, ça se cumule, genre là je peux en faire 3.
Ok. Et comment je fais pour que les trois ils fonctionnent, chat? Parce que logiquement, j'en centre un, mais après je les mets où les autres? Oh. Ah. Genre, si je le mets là et là, ils auront pas assez de puissance. Bisous, Exil. En gros, t'élargis juste de 1 sur les côtés et voilà. Ta pyramide. Yep. Ok. Alors, attends. Bah, j'aurais pas assez. Ah, mais ça fait que 1... Ça fait que 1... ça fait qu'un truc de lumière. Ok, alors comment ça marche déjà? Mais... Je sais plus trop comment ça fonctionne, les gars. Je vais prendre ça. Je fais ça. Après, je valide. Ok, sur lui. Après lui, je fais célérité par exemple. Ah mais je peux pas parce qu'il a pas le full truc. Ok, mais j'ai compris. En fait, ils sont pas actifs. Mais pourquoi ils sont pas actifs? Ils devraient au moins avoir le niveau 1 et 2 là. Genre pourquoi ils seraient pas actifs? Il y a quand même l'équivalent d'une pyramide sous lui, juste elle est plus petite. T'es nul. Et baisse ta mère, IT215. Je suis peut-être nul, mais toi, t'es une grosse merde, voilà. Mal éduqué, nonobstant. Faut qu'il soit centré. Ok. Mais oui, mais regarde, il est centré par rapport à une pyramide, là. Genre, dans l'espace, si tu regardes juste dans l'espace, considère pas ce qu'il y a autour, il y a une petite pyramide. Il y a quand même l'équivalent d'une pyramide sous ce truc. Non. Ah, parce qu'il faut que la base... Genre, en gros, si j'agrandis ici, il sera connecté. Ok, j'ai compris. Ben attends. Lui, je lui mets la speed. Lui, je lui mets la célérité. Et lui, je lui mets la puissance. J'ai même pas besoin d'élargir ma pyramide parce que j'ai tout ce que je veux. Ah, c'est tout? Tu peux mettre régène aussi. C'est mieux de mettre régène que vitesse, non? Parce que bon, on s'en fout d'aller vite. Lequel a la célérité? Mais ils ont tous régène, là. Genre là, il l'a déjà de base, non? Ah non, tu choisis l'un ou l'autre. Ok. Ok, et là du coup mes cœurs ils remontent. Ok. Ah c'est pas mal quand même hein. Zone d'action est plus petite pour les petites pyramides je crois. Ah ok. Bah là si je bénéficie de tout ici, vu que c'est là où je vais construire. Ah non regarde. Ah si, chez moi je bénéficie de tout donc c'est bon je pourrais construire tranquillement. C'est pas mal en vrai hein. On est ultra bien là. Je vais limite trop vite quand je marche. Ok, ça part en déco en vrai. Donc là-dedans dans le bordel. Ça aussi. Et du coup maintenant on teste l'arc. On teste de refaire un arc. Donc alors attends, il me faut du fil. Attends, j'ai pas vidé encore mon truc, voilà. Et je dois avoir quelque part des bâtons. Je sais juste pas où je les ai foutus. Si vous voyez des bâtons, n'hésitez pas. Ah mais attends, mais lui, je peux le désenchanter en fait. Allez, s'il te plaît, le jeu.
Attends, il me faut une épée aussi. Je vais enchanter mon épée. Je vais regarder ce que j'ai avec ça. Sharpness. Bah attends, mais c'est incroyable, il me le faut par contre. Je vérifie juste si j'ai infinité ou pas. J'ai pas. Sharpness, on est d'accord, on prend direct. Je crois qu'il le faut. Refais une armure, ouais, je fais après. Mec, j'ai pas de chance par contre. J'ai aucun truc supplémentaire. Bon bah FF, hein. Je le teste. Mais il est où mon arc déjà? Livre, bah non, sinon je peux pas faire l'autre enchant. Je teste l'arc. Mais. Bon. Bah, je le tente, les gars. Une breaking 4 ou pas? Non. Bah je vais le faire à l'arc hein. En vrai avec 24 flèches ça doit suffire en vrai de vrai par contre en fait. J'en ai peut-être d'autres des flèches d'ailleurs. Sinon j'irai les péter à la main les blocs hein, et tant pis voilà. Au pire, craft des flèches. Comment on fait? Ouais, c'est relou. Flint. C'est un peu chiant. Genre, c'est pas comme si c'était courant d'avoir du flint, quoi. Lance des œufs sur les tours. On peut? J'apprends un truc là. On peut en vrai ou pas? Il y avait full flint, c'est vrai que j'ai pas ramassé les flints, putain. Après je me suis pas dit que j'en aurais besoin quoi. Oui on peut. Attends bah je pars avec des œufs alors. Voilà des œufs, ma bite et mon couteau, ça sera le titre de la vidéo. Alors hop. Hop. J'ai eu 0 flint en 43 gravier quand même, hein, pas mal. Ça, ça dégage. Oh putain, attends, il était. T'es presque mort, mon merdier là. Putain, je vais voir ce que je peux faire avec ce que j'ai là. Déjà, il me faut chaussures en diamant. Ça, je suis obligé. Est-ce que je répare ou est-ce que je fusionne? Vous feriez quoi, vous, chat? Les gars, je prends. Même si c'est une P2 et que c'est de la merde et tout, je prends. Pelle fortune 3, 100% de chance de drop du flint. Ah, c'est bon à savoir, ça, par contre. Mais je peux pas. En vrai, je le prends, hein, un petit P2 gratuit, les gars. Je prends. Ok. P1, je prends parce que je crois que j'ai des livres. Ok. Ok, maintenant on répare. Attends, on va peut-être fusionner parce que je crois qu'ils ont pas le même truc. Alors attends, lui on va lui mettre une P2. Hop, hop. Là je fais des fonds de tiroir les gars, mais y a pas le choix. Lui on va lui mettre, merde purée, une P2 aussi. Alors attends. Oh non. Oh non. Merde. Merde, le couillon. Merde. Il me faut un livre protection. S'il te plaît, le jeu. S'il te plaît, un peu, un tout petit peu de chance. Je le retente une dernière fois. Oui! Nice! Ok. Là, je fais ça. Ça. Ça et ça. Oh non.
Oh non. Ok, alors attends. Je vais préparer mes P2, elles me serviront plus tard. Ok, merci pour le steak, merci beaucoup poulet, c'est gentil. Bah, il me faut deux levels. Deux levels, ça va très vite au début. Mec, ça, chez moi, je dois avoir de tellement loin là, je pense. Oh, j'ai pas redormi chez moi. C'est bien que j'y pense. Pourquoi t'as autant de vie? En gros, il y a des modes dans le jeu et j'ai eu de quoi avoir beaucoup, beaucoup de cœur. Désenchante le Impaling, ça va pas me donner un level, hein. Ça va me donner que dalle, on l'a fait l'autre fois pour grappiller, mais ça fait rien. Genre, c'est vraiment nul. C'est moi. Ouais, j'ai pris un quart. Ok, on va monter niveau 7-10, un truc comme ça. C'était là-bas hein, où il y avait la masse de trucs. Je crois que oui. Je monte niveau combien de chat? En vrai, ça va vite. Puis, franchement, j'hésite à monter niveau 30. Hein. Pour avoir du stuff contre le dragon, ça sera pas, enfin, ça sera pas perdu, quoi. Hein. Merci beaucoup, Chaos. Merci mille fois. Il y a combien là? Merci pour les 2500 bits, merci beaucoup. Mais attends, 2500 bits, c'est les 100 levels en fait. Merci. J'ai jeté un truc, j'ai jeté mes steaks. J'en ai perdu mes steaks, alors attends, je vais à la maison, je cours. Merci Chaos, merci mille fois. Oh mon dieu. Ok, on va en face. Fais gaffe à pas tomber dans la lave. Notre sauveur, non, vraiment là par contre ça met trop bien. Merci pour le prime buff, merci beaucoup. Salut. Ok. Là faut vraiment pas que je meure. Mort interdite, hein, clairement. Allez, vite. Le dragon, j'arrive. Le dragon, j'arrive et je vais être Gucci. En plus, le dragon. Oh là 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 là! J'espère juste que j'ai assez. Les gars, je refais un stuff, non? Je me fais même pas chier, en vrai. Attends, déjà, il me faut des bâtons d'urgence. Je trace parce que s'il y a un être malveillant qui m'enlève mes levels, je suis anéanti là. J'espère qu'enlever les levels, ça coûte plus cher que les donner. Je fais quoi? J'en fais quelques-uns, chat? Après, il faudra que je fasse des trucs pour mon sac aussi, pour qu'il me nourrisse tout seul et tout. Voilà, voilà, ça c'est un beau petit truc, ça, qui fait plaisir. Punch, on s'en fiche.
Knockback, on s'en fiche, mais mec, on s'en fiche de tout ce qu'on me donne là. Je fais comment? Je fais un bouquin? Parce qu'en fait, j'ai fait plein d'arcs comme un débile en allant vite, mais ça va me servir. Ok, ça c'est cool. C'est très cool. Unbreaking 4, y'a ou pas, les gars? Oh, je pense, j'avais un espoir que Knockback ça partait, mais non. Ok, y'a pas Unbreaking 4, ok. Mais attends, mais du coup, je récupère pas Sharpness, là? Sharpness, ah si. C'est Smite que je perds. Je sais pas ce que c'est, Smite. Je le ferai plus tard, ça. Hein. P2. Je vais tester, les gars. De faire mieux. Ok, déjà P3. Attends, faut que je teste à chaque fois un arc. Power non. Efficacité non. Ça, faut que je regarde à chaque fois aussi pour ça. P3. On prend. Power non. Il me faut butin. Sur ça. Qu'est-ce que j'ai pas checké là? Oh, c'est le truc pour les dégâts de chute en moins, ça. Efficacité 4. Unbreaking. Ils aiment trop me donner tout le temps pareil. Je fais quoi, les gars, là? Alors, attends. Déjà, je fais même pas quoi meuler. Sinon, je fais que des livres. Hein. J'ai juste pas beaucoup de livres, mais... Parce que mon stuff, ça va, là, en vrai. Je fais que des livres, chat? Je vais faire que des livres. Alors. Efficacité, je crois que j'ai déjà le max. Ah, mais merde, j'ai posé tous mes arcs. Je pensais que j'en avais gardé un. Let's go. Mais mec, mais quoi? Il est incroyable. Ok. Oh oui. Ok, je fusionne tout, hein. Ok, alors. Le knockback me casse les couilles, les gars, sur l'épée. Ça me fait vraiment chier d'avoir knockback dessus. Ça me gave un peu, je sais pas, je... En vrai, je suis un connard, hein, mais j'hésite à la... J'ai tellement de level, j'hésite à la... À la meuler, hein. Pour essayer de rechoper un... Rechoper, comment ça s'appelle? Rechoper un looting. Ça me fait chier de meuler ça. Ah, je la meule. Je la meule, les gars. Sharpness, il y a 5 ou pas? Oui, ok. Ok. Pourquoi il y a eu un bruit de gaz là? Les gars, je vous jure que ça c'est pas du troll, c'est... je troll pas, c'est trop bien. J'aurais bien aimé avoir un fire resist. Efficacité. Je l'ai déjà sur tout.
Unbreaking, en vrai, je le prends, on voit ce qu'on a. C'est une putain de blague, mais sérieux. J'ai encore knockback, non mais attends, mais vraiment. Faut aller se faire foutre là, c'est quoi ce bordel? Oh, il y avait épine, j'aurais dû prendre. Oh, attendez, la... ça c'est magnifique par contre. Elle est incroyable, celle-là. Avec affilage et tout. Le problème, c'est que je vais perdre tous mes levels, je devrais attendre. Je devrais continuer jusqu'à avoir... C'est quoi, c'est butin qu'on voulait? Fortune, on a déjà là-dessus. Je crois que c'est butin qu'on a dit. C'est vrai qu'efficacité, il y a 5 aussi. Attends, affinité aquatique, c'est pour nager plus... Non, en fait, j'en ai jamais besoin, je nage jamais. Je vais refaire une dernière épée. Pour essayer d'avoir le truc. C'est quoi le match de... Le max, pardon, de Sweeping Edge? 3? Ok. Cimer. Et châtiment? Châtiment, en vrai, Osef, un peu. Ok. Ça voulait pas cliquer sur le truc. Donc, efficacité, il y a 5, vous m'avez dit? En vrai, ça me donne un peu envie de le prendre pour la pioche. C'est tout le temps, c'est toujours pratique d'avoir une pioche qui carbure, genre. Je le prends. Ok. Unbreaking. 3, il y a déjà. J'aurais bien aimé avoir Fire Resistance sur un item, honnêtement. Et je pense que je vais tenter de l'avoir. Est-ce que ça nous a servi trop de fois? Il va falloir que je fusionne mon stuff aussi à un moment et ça va me coûter cher. Après j'ai protection partout, c'est bien quand même hein. Mais fire resistance trop broken. En avoir un c'est trop pratique. Le nombre de fois où ça nous a sauvé la vie, je les compte même plus. Toucher de soi Osef. Ça veut pas les gars. Oh merde, j'ai mis click. Putain le con. C'est pas très grave en vrai. Ok, toujours pas. Toujours pas. Je fais quoi les gars? Parce que là je vais perdre trop de level hein. Mais pourquoi ça fait ça? Mais pourquoi ça met un livre enchanté à la place à chaque fois? Mais c'est quoi cette merde? T'as meulé le livre efficacité 4. Non. Non, mais putain, je fais que de la merde! Je fusionne mon stuff. J'arrête. J'arrête, ça me coûte trop cher, là. En vrai, on est trop bien.
J'ai cru que j'avais mis la mauvaise épée. Là, c'était trop. Est-ce que je prends un looting 1 ou vas-y, c'est trop pourri, les gars? Non, je tente l'ultime. Je tente le livre ultime. Après, j'arrête. Je fais looting 2. Ok. Ah mais putain, rien que l'épée, elle me coûte la peau des couilles là. Ok, attendez, priorité au stuff. Ok. Ok. Là, on a juste une P3, c'est un peu nul, mais bon, on fait avec, hein. Et là, pareil. Ok. J'ai oublié de le rename, bon, c'est pas grave. Alors, toi, dégage. Ça, c'est bon. Et maintenant, l'épée, je peux pas la fusionner. C'est pas grave, en vrai. Je vais le faire... je vais le choper les levels en speed de chez speed, ça va être vraiment vite fait, là. On est trop bien. Attends, je vais meuler tous mes trucs. Parce que là, j'ai 3 fusions à faire, la vache. Tu sais, maintenant, ça me coûte moins cher. En mode promo. Bah, 12. C'est mieux que tout à l'heure, hein. C'est mieux que tout à l'heure, ça vaut moins cher. Comment ça se fait? C'est bizarre en vrai, non, par contre. Bon, je vais pas chercher de réponse. Mais tant mieux. C'est les soldes, bah on prend. On prend de ouf. Ok, toi tu vas là. Toi, tu vas là. Mon inventaire, faut que je le vide. Ok, alors. Richesse. Richesse, 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 richesse. Putain, c'est le bordel, mon inventaire. Les livres là-bas. Le laser dans le coin de l'écran, on aurait dit qu'il était tout tordu, c'était bizarre. Ok, là-dedans, on a rien à mettre. Déco, il y a trop de trucs. Bordel. Ok. Fire Resistant, je vais le garder. Je pense que ça va me servir à rien et on va finir par le jeter. Mais je garde, on sait jamais. Ça, merde, il faut que je fusionne ça aussi. Ah mais non, c'est vrai que j'ai eu un arc. Attends. On est d'accord, on peut pas avoir infinité et flamme. Ah non, on peut avoir infinité et flamme, mais on peut pas avoir infinité et raccommodage. Je crois que c'est ça. Attention, c'est soit might, soit sharpness sur l'épée. Je veux sharpness, moi. Ouais, c'est ça, ok. Donc ça, les deux, je peux les fusionner. Ok, mon inventaire. Ok, richesse. Déco. Déco, déco. Richesse. Tac, décoration. Déco. 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 Bordel. Bordel, 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 bordel. Flintstick, ça je mets en richesse, mais je me rappelle même plus à quoi ça sert ce truc. Ah mais si, c'est pour l'item bizarre. Oh mais ça il nous en fallait pour faire... On pouvait faire des flèches avec ce truc. Ok, en vrai je suis bien là. Mes épées c'est bien. Et mon inventaire, tac tac. Une richesse là-dedans. Et ça on s'en bat les couilles. Maintenant je vais prendre les levels qui me manquent. J'en ai pas pour longtemps du tout. Et après on est parti. T'as mis la netherite dans bordel. Ah bah je vais trier après.
Faudra juste que j'y pense. D'ailleurs, de toute façon, je vais partir avec la netherite si jamais j'ai besoin pour revenir. Parfois, ça va plus rapide, plus vite, c'est plus pratique pour rentrer. Et puis, autant je fais un portail même là-bas. Là, j'ai chute amortie, je sais pas combien en plus. Chute amortie 4, c'est pas le max? Je crois que c'est le max. Coucou caca. Merci beaucoup pour les 100 levels, hein. Ça a mis trop bien, c'est incroyable là par contre. J'entends la petite qui gueule. Mais elle gueule pas en mode faire chier, juste elle parle, je sens que ça va être une pipelette ma fille. Elle fait que causer. Que piailler et tout. Elle est trop mimi. Hop. Comme le père, bah, moi c'est mon métier, j'y suis pour rien. C'est pour le travail. Ça se trouve, elle sera streameuse, ma fille. Elle va ramener tellement de thunes à la maison. Je lui donne un peu le peu de hype qui me reste. Et hop. Après, je lui dis, tout est entre tes mains maintenant, ma fille. Oui, pété, DRR, le jeu de mots de fou. Je suis trop drôle, lolin, kakikavé. Merci, Bacamelon, merci beaucoup. Est-ce qu'on irait pas se faire les raccommodages tant qu'on y est, là? En vrai. Chat. Là, je vous parle sérieux. On a tout ce qu'il faut pour les faire, hein. Il est 18h30, en vrai, on a le temps. En vrai, on a le temps. Il me fallait 12 levels pour l'épée. On va partir du principe que l'arc, c'est autant. Comme ça, pas de mauvaise surprise. On veut le dragon et la maison. T'auras pas un beau dragon si jamais j'ai un stuff qui tient pas la route. Ça, c'est la logique numéro 1 du jeu. Et puis, en vrai, raccommodage, c'est très vite fait, hein. Y'a plus qu'à trade, on a déjà tout. Est-ce qu'il y aura Inis? J'espère vraiment que non. Avec toute la sincérité du monde, j'espère que non. Je préfère ne pas avoir de sub et faire le dragon. Vraiment, en plus, c'est un premier degré. Mais j'ai envie de te dire, on verra quoi. Ça dépend des gens, ça c'est pas moi qui décide. Hein. Merci Silog, merci beaucoup. Bonjour les copains. Saviez-vous que les dauphins sont capables de s'endormir d'un côté de leur cerveau tout en restant éveillés de l'autre moitié? C'est le sommeil unihémisphérique. Oh, et ça, comme ça, ça leur sert à quoi? Ils se reposent d'un côté, après ils se reposent de l'autre? Oui, c'est réel, je connais. Stylé. Livaldi. J'ai pas vu. Pour pas tomber des branches quand ils dorment. Je pense que c'est ça, ouais, ça doit être la vraie raison. Les gars, je tente avec 17 levels ou vous pensez que c'est mort de chez mort et il faut plus? Je pense qu'il faut plus. Non, ouais, je pense qu'il faut plus aussi. Gaël a fait une blague. Au moins, tu seras Inis Fugé par rapport au fait que tu as Fire Resistance. J'ai pas Fire Resistance, donc je suis pas Inis Fugé. En plus. Donc la vanne, c'est un double flop. Par conséquent. Mais Chaos, mais toi, je vais te faire des trucs. Attends, t'as quel âge, Chaos? Chaos, t'as quel âge? Urgent, urgent. 48 ans. Oh, Chaos, je vais te faire des trucs. Je vais te faire des dingueries. Même si on a un énorme écart d'âge en mode Macron et Brigitte, je vais te faire des dingueries de fou. Je serai ton Macron, tu seras ma Brigitte. Merci beaucoup pour tous les beats. Ok.
Magnifique, les gars. Merci mille fois, Chaos. Et le consentement. Bah si, d'accord. Alors là, si c'est pas, si j'ai pas le feu vert, y a pas de dinguerie. Par contre, s'il y a feu vert, faudra pas être dans la pièce. Hein. Merci beaucoup. En vrai, ça clutch de malade. Les gars, hier, je suis tombé sur une vidéo de Gaël Garcia et Natou. Comment ça, Natou, elle a 38 ans? Elle en fait 25. C'est quoi le glitch? Je vous jure, être multimillionnaire, ça a l'air d'être incroyable pour s'entretenir. Ça a l'air d'être vraiment trop bien. Trop bien la vidéo d'ailleurs, ouais, elle était cool. Je vous jure qu'être multimillionnaire, ça a l'air d'être vraiment broken pour prendre soin de soi. Elle a jamais vieilli, cette meuf, c'est très réel, elle a vraiment jamais vieilli. Attendez. Sharpness? Bah attends, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Donc je perds le smite. Et dans l'autre sens? Ah, bâtard. Ok. Chat, urgent. Est-ce que j'ai des stuff à refaire là, tant que j'ai plein de level ou pas? Genre un petit fut, un petit pantalon, hop. Déjà, par exemple. Un petit plastron avec épine. Merci Canavo, merci beaucoup. Pantalon, je sais pas quand il y a d'enchant dessus, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup. Ok. Unbreaking. Et j'ai quoi là? P3 Unbreaking. Ok. P4. Oh là 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 là, mais mec, mais attendez, mais il est incroyable. Viens par là, toi. Le vrai bon plastron. Alors là, non, mais celui-là, il est magnifique, sa mère. Ok. Ça, je prends. Pantalon, est-ce qu'on peut avoir un truc mieux pour le fut ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un meilleur futal, chat? Vas-y, sinon je fusionne mes trucs et tant pis. Ouais, il y a un meilleur fut. Ok, attendez, en fait, je refais. P5, il a quoi là? P3. Oui, les deux ans, Arnaud ou Jamise. Ah, mais c'est du grid, je vais pas gâcher mes trucs pour un... Surtout pour un truc que je pourrais fusionner. Attendez, je viens de calculer un truc là. À l'endroit où je vais pouvoir faire moult fusion après. Hein. Si je gagne. C'est bien de préciser quand même. Là, j'ai un P3, je fusionne, je crée un P4 pour mon pantalon. Le bon pantalon. Ok. Là, je fusionne mes épées. La bonne épée. Avec sharpness. Là, je fusionne ça. 22, 18. Oups. Oupsi. Ok, ça. À la meuleuse. Ça. Ça, je garde. Mais les gars, là, vraiment, vous ne vous rendez pas compte, je pense. Attends, je vais garder celle en bonnet du forme, là. Pour ici. Ça, je vais le reprendre. Poser là. Ça, je le dégage. Maintenant, c'est l'heure des raccommodages. Fais Ender Chest. Pas besoin, je vais pouvoir en avoir là où je suis. Ah putain, il me faut une pioche touchée de soie avant de partir.
Regardez bien, je l'ai du premier coup. Comme ça, faites pas les choquer. Incroyable. J'ai envie de la tenter pour le beau jeu, mais je pense que c'est une connerie. Bon, toucher de soi, ça va être dur à choper, hein. Genre, c'est un peu rare, quoi. Oh, looting 2. Eh ouais, hein. 13 levels, je les garde pour après. Mais oui, en fait. Mais évidemment que oui. Ok. Solidité Osef, on verra plus tard, on s'en fout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça. Ma bonne épée, elle est encore meilleure. Du coup. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Merci mille fois pour le coup de main de chat. Merci beaucoup. Attends ça. C'est quoi Death Rider? Truc des profondeurs, Death. Ah, ça doit être Affinité Aquatique. Un truc comme ça. C'est quoi ça, chat? Pour nager plus vite dans l'eau. Allez, viens par là, mon mignon. Oh, on chope une P4 en plus. Et oui, en fait. Ok, on dort. Merde, c'est là-bas ma maison. La nage, c'est surcoté. C'est vrai, mais au moins je nagerai vite si besoin. J'aurai jamais besoin. Mais on s'en fout. Parce qu'on est bien. Ok. De quoi je peux avoir besoin, chat, pour le dragon? Attends, je ferai les fournitures du dragon après. D'abord, on va aller voir notre petit père là-bas. Je suis bloqué. Ok, mon vieux, à nous deux. Ok, comment s'appelle déjà ce qu'on cherche que je le casse pas par réflexe? Avec un vilain réflexe là. C'est Mending. On a tellement avancé. Non, non, non! J'ai peur de le taper sans faire exprès. J'y ai cru. Ok, après il faudra que j'aille mettre le chapeau des promos avant de trade. Faut surtout pas que j'oublie. Allez, vite, vite, vite. Les gars, mon... comment s'appelle? Mon beacon, là? Il me donne le pouvoir d'ici, hein. Ah, putain, j'ai cru que j'avais ça à 9 balles. Il me donne le pouvoir de super loin. En plus, il est magnifique. Oh, viens par là, donne-moi tous les mending du monde. Mais la chatte, les gars, on avait fait combien de trades avant avec, sans rien avoir avec ce mec-là? Avant d'abandonner et se dire qu'on viendra plus tard, beaucoup trop. Là, il n'y a pas de chatte, là. Attends, ça me coûte une émeraude? Non, non, non! Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, bah merci, monsieur.
J'avais oublié qu'il disait est-ce que c'est bon pour vous le mec après le trade. Oh putain, non, en vrai c'est drôle par contre. Le est-ce que c'est bon pour vous, il me met très très bien. Alors, oula, attends. Quoi? Oh non, here we go again, mais putain, c'est pas possible! Ok, ça c'est full mending, ça c'est mending. C'était niveau combien les gars? Il est lance dragon, mais c'est vraiment long. N'oublie pas Slicktud, j'ai déjà. Hop là, on l'a fait tout à l'heure. T'auras l'XP en tuant le dragon aussi. Ouais, mais j'aimerais bien voir mending avant d'aller péter la gueule au dragon. 17, allez, on va aller voir ce dragon les gars. Attendez, je vais poser mes mending, des fois qu'il y a une catastrophe. Il m'en reste 3, 1, 2, 3, c'est parfait. Ah, 4. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Attends, mais à chaque fois, je me fais chier à partir hyper loin, mais je peux aller là, en fait. Là-bas, c'était ce qu'on cherche. Ah ouais, bah mec, attends, mais il y en a une tonne en plus. Oh non. Mais j'ai infinité maintenant. Regardez cette flèche, hein. Hop là, voilà. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est le Linka, en fait, quand il a un arc dans les mains. C'est pour ça qu'il fallait pas m'en donner un trop vite. On aurait gâché le plaisir du jeu. Je suis trop fort, en fait. C'est comme sur Fortnite quand tu mets un sniper, c'est pareil. Tu me donnes une arme longue distance, c'est déjà gagné. Je suis trop fort. Et modeste, enfin j'ai toutes les qualités en vrai. C'est une dinguerie. J'ai vraiment moult qualités. Oui. Les gars, je suis une légende au sniper. Là, c'est pas la même, hein, les dégâts. Je crois que tu sais pas à qui tu t'attaques. J'ai même pas perdu un HP. Rentre chez toi en fait. Allez, niveau 10, on continue comme ça. Niveau 12. C'était ça, c'était niveau 12, les gars. Je fais pas un level de plus hein, si c'était ça. 17, ok merde. J'ai eu le temps d'oublier. C'est long la vache. Ok. Le bloc il faisait que revenir, je me suis dit, ça se trouve, j'ai un glitch XP infini là, comment j'en aurais profité sans aucun scrupule. Ok. Là ça a l'air d'être farmable facilement. C'est une mitraillette mon truc, c'est une arme. Ok, je suis niveau 16. Il me manque 3 fois rien là. J'ai la flemme de partir loin juste pour ça. J'ai pas le choix, je fais hein.
Ok, on a le niveau 17, les gars. On se casse. Ok, je remonte par là, je trace, c'est parfait. Me dire qu'un jour ma copine me dira ça, chiche, ça n'arrivera jamais, Angel. Faut être une bonne personne pour attirer des bonnes personnes. C'est, toi t'es pas une bonne personne, donc malheureusement pour toi, tu ne vivras jamais ça, tu peux vivre ça que sur internet. Que via internet, voilà. Dans un monde virtuel dans lequel tu vis. C'est dommage, hein. Sur Abo, voilà, exactement, tu pourrais... Ok. Hop, le reste, looting, je m'en fous. Je voulais sur ça. Ça et ça, ça viendra plus tard, on s'en tape. Ok. Angel, arrête d'attirer l'attention. Arrête d'attirer l'attention, on est occupé là. Avec les viewers. Ok, ça, ça dégage, ça, ça dégage. Ça et ça, on prend. Ça, on prend. Chat, il me faut quoi d'autre? À quoi j'ai pas pensé, là? Je garde qu'une seule flèche. Le reste, ça me sert à rien. J'ai tout, là. J'ai besoin de rien. J'ai de la bouffe. Je vais prendre les pommes en or. Ça, je sais pas à quoi ça sert, les geister trucs, là. Ouais, ouais, un lit, bien sûr. Je vais prendre un stack de bois aussi. Je vais me prendre un petit stack de bois. Là, j'en vois pas dans mon inventaire. J'ai trop hâte de faire pousser des arbres partout là pour faire un village dans les arbres avec tous les nouveaux trucs qu'on peut avoir. Bon, c'est comme un stack là ce que j'ai. Coucou prend aussi des œufs pour le dragon Link à OMG. Bah j'ai pas besoin du coup, j'ai l'arc. J'ai l'arc du coup, j'ai pas besoin des œufs pour le dragon. Dommage parce que c'était marrant, ça m'a hypé un petit peu. Ok. Ça je garde, ça. Ça dégage. Ça et ça, ça dégage, on se casse. C'est le dodo et on se casse là. T'as attaqué alors 20h comme d'hab. Oh mais merde, j'ai pas bu une seule gorgée de mon... De ma délicieuse concoction. Tu peux pas te défendre, tu peux te faire ban. Il a des vigiles, lui. L'Inca Smile, tu peux rien faire. L'Inca AK Elisabeth 49.3 Born. Balangel, Balangel. Balangel, chat. Balangel. Fusée, oh putain, toi t'es un génie toi. Oh sa mère. Non mais alors là les gars, on a le génie du groupe hein. On l'a trouvé, arrêtez tout. On a le génie du groupe, on arrête tout. Oh, oh non, j'ai pas les levels. J'ai un livre solidité. Oh non les gars. On n'a pas de livre solidité. Il nous faut un livre solidité, c'est obligatoire. Oh non, 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 non. Est-ce que on tente le clutch et on se dit vas-y, on en aura dans des coffres et tout, et voilà. Et si on n'en a pas, ben tant pis, on aura nos deux yeux pour pleurer. Je suis même pas niveau 1, j'ai la flemme. S3 et un mending surtout, ouais je sais, j'ai mending, j'ai pas S3. Les gars, on y va sans. Je pensais pas dire ça un jour. Quand j'ai passé mon bac à l'époque, il y avait eu un truc et le thème c'était c'est quoi le risque. Et j'avais dit le risque c'est ça, et j'avais marqué partir sans mending et sans,
Et c'est en solidité 3 sur les élytres, sur à mettre sur les élytres. J'avais dit ça au bac et j'avais eu 19 sur 20 quand j'étais jeune. Donc c'est la bonne. On fait ça, les gars. On fait ça, c'est maintenant. Bien dit. Ouais, les mecs. Allez. On part à l'aventure. Ça, c'est quoi, charme? Pourquoi j'ai toujours pas eu de charme? Alors que j'en ai la masse dans la vie. Peut-être parce que j'en ai trop dans la vie et du coup, ils m'ont pas donné dans le jeu. Peut-être, en vrai. C'est quoi un charme? On n'a rien qui a un charme. Je pense que j'en ai trop. J'en ai trop IRL. In real life, pour les non-anglophones. Les non-anglophones. Ok, direction vers là-bas. Et c'est parti, les gars. C'est parti pour le dragon. Totem, l'Inca. Pas besoin. Je suis bloqué. Je peux plus bouger. Mon clavier a plus de pile. Oh putain. Mais mec. Celui qui invoque un creeper, là, je jure, je le banne def. Je jure, je le banne. Ce chien. Vous êtes vraiment des putes. Oh, c'est pas les bonnes. Putain. C'était vers là-bas, hein. Ouais, c'était ça. C'est pas agressif? Oh, pardon, Kiki! Pardon. Je peux pas lui donner de steak. Imaginez, je suis à côté du Stronghold. Ça serait incroyable, non? Pas vrai, la team? J'ai des réflexes de malade. Donner un steak à un herbivore, j'ai tenté le coup. Allez, c'est maintenant. Les gars, il me faut de la playlist joyeuse, motivante. Time to Drake. Time to être happy. Voilà. Là, je ne peux plus perdre. Ferme-le, Angel. Voilà. Kiro, dis-lui bien, Angel. Oh merde. J'ai perdu ma direction. Il y a deux dirigeables. Oh non. Ok, heureusement que j'ai relancé. Je serais parti dans l'autre, de l'autre côté. Allez, c'est maintenant. Je nage trop vite avec mon stuff. Avec mon stuff épique. Elle est belle cette faille aussi. Je sens qu'on est à 200 km du portail en vrai. J'ai un feeling très très loin. Il y a une quantité de dirigeables, par contre, dans cette mise à jour, c'est une dinguerie. Hein. Enfin, dans cette mise à jour, dans ce patch-là, ce truc, je sais pas comment on appelle ça, je m'en rappelle plus, ce mode. C'est une dinguerie. Oh, waouh. Ça fait toujours son petit effet, hein, une belle grotte. Vous me dites quand je relance. Parce qu'en vrai, là, on se déplace très très vite. Hein. Ça se trouve, on n'est pas loin. Ça a déjà changé de direction, je pense, moi.
vrai que c'est un joli titre. C'était un joli titre, c'est vrai. C'est quoi ça? Bah qu'est-ce que c'est? Ah what the fuck, mais qu'est-ce que c'est les gars? C'est genre un truc... Ah c'est genre des ruines. On n'a pas perdu un seul œil pour le moment. Ça m'est très bien. On continue sur cette lancée. Ça va être là. C'est toujours dans les montagnes, c'est toujours aux endroits chiants. Genre c'est jamais pratique. Vous avez vu dans ces trucs, on n'a jamais croisé une forge. Magnifique. Mais les gars, là, on a fait carrément demi-tour. Vous pensez qu'on est loin encore? Je vais prendre cher. Ah mais non, j'ai les bottes broken. Je vais lancer ici. Merci pour le prime, Zboub de loutre. Merci pour ça. Ok, il est au village, les gars. Il était vraiment au village. C'est toujours sur des montagnes de merde. On a tellement de chance avec les yeux. C'est forcément dans celui-là du coup. Je creuse hein, les gars, ça va être là hein. C'est en 4x4 c'est ça? Je me rappelle plus. Je crois que c'est oui. Félicitations pour le bébé Linkamour. Linkamour pour Siego ou démarrer la moto. Pour Siego démarrer la moto. La voix elle va pas bien du tout hein. Pour Siego démarrer la moto. Mais c'est quoi ce bordel? Merci pour le soutien, merci mille fois. C'est pas très loin de la maison, hein, les gars. Merde, putain. Faut faire un escalier, j'avais oublié. Ça va être très long parce qu'on est dans une montagne pour changer. Donc il y en a pour 12 ans les mecs à peu près. J'espère que vous êtes patients et que vous avez le temps devant vous. Je suis obligé de dévier un tout petit peu parce que sinon le sable il va nous casser les pieds. Enfin le sable. Le silex quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Le flint. Non c'est pas ça. Le... Et comment s'appelle cette merde déjà? Oh, c'est tout en dessous, on voit. Le gravier.
Allez, on se dit qu'on retrouvera de l'eau. J'aurais bien aimé me retrouver là. Il y en a un train à côté, c'est une blague. J'ai pas envie de le faire sans eau. C'est trop dangereux. Alors, c'était où le truc ? Ok, il est là. Putain, mais il est même pas en... Après, pour se rappeler la gueule de la salle, les gars, je vous avoue, j'ai zéro souvenir. Je pense qu'on la retrouvera jamais. Oh, waouh. Je pense vraiment... Bon. Genre, je pense que la salle, on la retrouvera jamais. Vous vous rappelez la gueule qu'elle avait ou pas ? De l'extérieur. Je crois que je rentre et on court partout et voilà, hein. C'est stylé en vrai, hein. Attends, j'ai même pas regardé la pause. On est en 5100, 1670. Faudrait le marquer, ça. What the fuck? Ça, ça fait de la bonne déco, ça. Bah attends, mais mec, je tombe sur une prison, elle est même pas connectée quelque part. Bon, on va au pif, les gars, et on se démerde. Faudrait que je trouve une entrée. Bah ici, c'est pas mal, en vrai, pour faire le tour. Je vais faire à l'arrache, hein, comme l'autre, pas comme l'autre fois. Ok, on commence par haut gauche. Je me rappelle pas trop comment c'était modélisé. C'est énorme, ouais, c'est gigantesque pour ceux qui n'ont pas vu la première fois. C'est vraiment dur de trouver le portail. Genre, pas façon de parler, quoi. Oh. Attends, je sens que j'ai de la chatte. Ok, il est beaucoup plus praticable que le premier. Attends, je vais récupérer quand même ça. C'était où? C'était là-bas. Je sais pas où il y en a d'autres. Pour avoir des cœurs en plus. Genre ça, on sera sûrement content le jour où quelqu'un nous enlèvera tous nos cœurs de pouvoir en remettre d'office. C'est trop un labyrinthe, les gars. Je suis vraiment dans la merde. Hein. C'est bizarre en plus comment c'est foutu, là. Alors, en haut à gauche, j'ai fait... Mec, mais c'est ouvert partout. C'est pas du tout comme la première fois. Genre, y a aucun endroit qui est un peu condamné, un peu chelou ou quoi. La dernière fois, c'était à l'extérieur de ça. Oh. Oui. La dernière fois, c'était dans ça. C'était une des terminaisons de ce truc, je crois. Attendez, on a peut-être de la chance. J'ai peut-être trouvé plus ou moins direct. Parce que c'était vraiment dans un bail comme ça la première fois. Ah non, c'était enterré la première fois. Je viens de me rappeler. On avait trouvé ça, on était tout contents. Et en fait, non, c'était enterré. Le truc, c'est que si c'est à nouveau enterré, j'ai aucun moyen de savoir, quoi. J'ai plusieurs souvenirs dans ma tête, là. Merci pour les steaks, les gars. Eh ouais, mais comment je fais, là? C'est un peu problématique, ces trucs-là. Genre, c'est sympa. Mais c'est un peu... en mode... mi-figue, mi-raisin. J'ai pas peur de le dire. Je sais que c'est très engagé, mais... C'est tellement dur de trouver le portail, et il est tellement aléatoire. Je vais péter les portes. Oh oui. Oh oui. Oh la chatte. Ok, alors attendez. J'ai appris de mes erreurs.
Voilà, si quelqu'un veut me casser les couilles, le mob il sera du père. Ok. Ok, ok. Alors. Je vais garder mes trucs, on s'en fout. Et je trierai plus tard. Ah, j'ai déjà fait mes fusées. J'étais en train de me dire, mais merde, mais putain, j'ai pas pris les fusées et tout. Enfin, j'ai pas pris de quoi faire les fusées, mais en fait, j'ai déjà. Ok. 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 Donc là, c'est maintenant que les riches vous barrez du live. Tous les riches se barrent. J'ai l'impression que c'est tout le temps, il en faut 12. Hein. Heureusement que j'en ai pas perdu en cours de route. Chose qui n'arrive absolument jamais. Allez, on est d'accord, je peux descendre sans crever là. Je crois que ça passe pas. Genre je flotte. Ok, nice. Bah attends, mais il y a des baleines qui volent. Bah attends, mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même dragon que d'habitude? Nouveau mode. Bah attends, mais ça c'est un mob agressif, c'est genre quoi? La barre du dragon, elle est... Comment ça, Nina? Titre. Comment ça, Nina? MDR, merde. La barre du dragon. Oh, le mauvais porno. Oh, sa mère, j'ai plus d'eau. Ok. Ok, j'ai un peu paniqué, mais y'a rien. Mais la vache, la tour, elle est immense! C'est quoi ce bordel? Ok, ça, ça fait mal ou pas? Je me rappelle plus trop. Ok, on saura jamais. On saura jamais, ok. Mais pourquoi il y a une baleine? Je suis un putain de sniper, c'est trop grave mon level. Non mais les gars. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Oh mais le fils de pute, mais je fais comment là? Mais je fais comment? Mais je fais comment les gars? Oh le bâtard. Non Gold, t'es trop un chien. Y'a un cooldown sur ce truc quand même. Chat. Musique à la hauteur de l'événement. Si je mets sur pause, je meurs. Genre, je peux pas mettre sur pause. C'est un peu le problème. Du coup, non. Du coup, on va chiller tranquillou. C'était ça ou un boss? Je préfère ça. Merci, merci Gold. Merci beaucoup. Putain, mais mon bel arc. On s'est fait chier pendant 2h30 pour l'avoir ce truc et en plus ça il était magnifique, je suis dégoûté. De continuer mes projets en te regardant. Merci Saucisse, merci beaucoup. C'est quoi 30 subs déjà? Il vient de détruire mon arc les gars. J'ai plus d'arc. Vous avez pas remarqué que j'ai un petit problème là? Non. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait encore une dinguerie. Merci Saucisse, merci Olivier. Thank you.
Mais en fait, ça fait rien par contre de taper dans le... dans le truc, les gars. De taper là-dedans. Je crois que j'ai cru que j'avais trop bien visé tout à l'heure, mais qu'en fait j'ai rien touché, c'est juste que j'étais trop loin pour les voir. Si, t'es juste OP. Ah ouais? En même temps, là, mon stuff, il est... Je suis Gucci, hein. Putain, je repense à 37. C'est trop bien joué, ça, le bâtard. Ça m'a... Il y a plus rien, il y a plus que ça. Ah, bon. Non, je gâche pas mes bois, on sait jamais. Putain, je repense à l'arc, c'est trop bien joué, ça me rend fou. Je suis dégoûté. Il était tout beau, tout propre. Oh non. J'ai entendu le bruit de l'item qui se casse aussi. Oh le bâtard. Là, je suis vraiment broken par contre. Genre, je sens rien, les mecs. Mais je le fight à l'épée. Je vais prendre des blocs en attendant qu'il perche. Il peut pas se soigner, donc on est tranquille. Et je vais me faire un truc pour les Enderman au cas où. Quand même. Genre une petite zone de sécurité. Oh. Ok, on a une zone de sécurité, on n'a plus qu'à attendre qu'il perche notre collègue. Je suis en train de me dire, mais il me manque un truc dans mon inventaire. Bah ouais, en fait. Exactement, il me manque exactement un truc dans mon inventaire. Un truc qu'on aimait bien avoir à l'époque. Il a plus son steak infini? Non, ça fait longtemps. T'as pas de quoi te faire un arc? Non, pompon. Pompon, merde, je dis pas ça. J'ai pas ça, malheureusement. J'aurais aimé. Je marche dans le vomi et tout, je m'en fous. Mais attends, les mecs, ils prennent aucun dégât, c'est quoi ce bordel? Les gars, regardez le peu de dégâts que j'ai mis. En fait, je suis trop habitué aux dégâts du lit, je crois. T'aurais dû prendre les œufs ou boule de neige. Ouais, bah ça, j'avais pas prévu. Hein. Dragon est le même qu'en vanilla. J'ai l'impression que j'ai fait zéro dégâts. J'espère qu'il va vite, perche. C'est un boss, même OP, ça reste un boss mauvais, mais je sais pas, en fait, je suis trop habitué aux dégâts que je faisais en speedrun avec les lits, je pense. Parce que j'ai l'impression que j'ai mis zéro dégâts, là. Il veut pas perche, en fait, je peux rien faire, du coup, j'ai plus d'armes. Il perche, là. Il perche. Oh non, sérieux. Vite, meurs vite, il est en train de percher. Purée, si j'avais des lits. Dans un monde avec des lits, là, je faisais un carnage. Ça vaut toutes les tartelettes. Vous êtes vraiment des gros chiens, j'avais une épée de fou malade, j'ai farmé pendant 12 jours et demi pour l'avoir. On vient de passer une heure pour faire notre putain d'épée, et en plus de ça on a été aidé par des gens qui ont donné des levels. Non, par une personne qui a donné des levels. Sans ça, ça aurait été 8 jours. J'ai pu...
T'as plus d'épée, mais t'as une belle émote, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pire que tout. Ça fait quoi, 30 subs? Ça détruit l'item que j'ai dans la main. Tu vois pas que j'étais tranquille en train de tabasser un dragon et que je me retrouve en mode capitaine crochet, là? Les mid lag, j'en ai pour 12 ans, les mecs. J'en ai pour 12 ans et demi. C'est un calvaire, là. Allez, là, cargo, ouais, j'y vais, j'y vais. Attends, il va crever, là, en vrai, hein. Reviens, bâtard! Je sais pas si je garde les plumes et tout en vrai. Est-ce que je vais vraiment... Je vais jamais construire de trucs avec ça. On s'en fout, je pense. Ça, je mets là. Ça, c'est bon. Je me mets sur le steak pour pas qu'on me le dise... Bon, pour pas qu'on me le supprime. Mais oui, mais je peux plus me fight. Allez, faut qu'il perche. Faut qu'il perche vite. M'en fous, je le finis à l'appel s'il le faut. Mais what the fuck, mais what the fuck, mais je te regardais même pas. Tiens, bouffe, sale con. Au moins, ça me fera des perles pour me déplacer. Si elle me dit, peut-être que je le regardais au très très loin et que j'ai pas fait gaffe. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, les gars. Attends. Je prends mon steak haché. Je tabasse le dragon avec un steak haché. Titre. Cassez-vous les poulets! Il se passe quoi là? C'est quoi 52 subs? Vite le trou! Vite! Vite la fin du jeu, vite! Vite! Ah, putain! Oh yes! Oh gold! Bah alors Gold! Oh sa mère les gars, ça n'a jamais pris autant de temps d'avoir la fin du jeu! Oh sa mère, on a battu le dragon! Ok putain, le problème c'est qu'il va falloir y retourner là. Merci Gold pour les 52 subs, merci beaucoup. J'ai plus d'item mais je suis heureux. Ok, attends, attends. Ok. Les gars. J'ai plus d'épée non plus, mais ça a oublié. Putain de merde. Ok. Les gars, écoutez-moi bien. Là, l'Inis. Y'a aucun monde où je le tabasse, on est d'accord? Je vais pas me faire un Inis à la hache, c'est impossible en vrai. Si, si, mais vous faites exprès, vous voulez trop que je meure. Mais genre là, si je jouais ma vraie aventure, je fonce dans le portail en fait et je me casse. J'ai toujours mon plan fuite. J'ai même pas pris mes levels. Les gars, je suis un beau joueur. Comment il m'attire par contre? Je le tank de fou avec mon stuff. Les gars, refais une épée, c'est bon, c'est bon. Je le tank de malade, what the fuck. Il n'arrive pas à me taper. Regarde les bastos qu'il met, il se prend zéro de dégâts. Bah alors, on est plus ce qu'on était, monsieur Linis. Oh là, attends, faut faire attention par contre là. Ok, ça fait vraiment mal. Attends, je crois que je me fais attaquer en même temps là. Il arrive pas à me toucher.
Ok, il arrive à me toucher. Ok, il arrive à me toucher, mais je suis bien. Il se bat contre un Enderman. Mais les gars, mais c'est free là. Je suis tellement OP, hein, c'est incroyable. Faut pas qu'il me bump. Il craque les Enderman, hein. Oh oui, regardez comme il est nul. Au revoir, monsieur. Let's go. Non, c'est incroyable, par contre, je suis trop bien. Heureusement que Gold a été sympa, il me l'a pas mis pendant le dragon, par contre, hein. Ça aurait été autre chose. Oh, sa mère. Ok, ok, on est niveau 80. Ah non, mais attendez, par contre... Attendez, par contre, il y a un vrai problème, là. C'est qu'en fait, pour trouver une forteresse, il faut que je marche au-dessus du vide tout le temps. Mais je vais crever avec un coffre, en fait, là. Inis, ça rime avec gros naze. Alors, pas du tout, ça rime pas du tout avec gros naze. Ça rime avec pénis. Ça rime avec anis. Ça rime avec nice. Ça rime avec malice. Ça rime avec Candice. Mais ça rime certainement pas avec gros naze. Je fais que perdre sinon, ouais. Oh, j'ai pas tabassé là. Oh, what the fuck. What the fuck. Attendez. Attends, mais merde. Ah, c'est... Même ça, c'est retouché? Oh, waouh. Ok, il va me falloir des perles. Ok, bouchez-vous les oreilles. J'ai pas d'épée, en plus, ça va prendre 2 heures. Il me faut des perles. Bouchez vos oreilles, chat. Là, c'est pas de ma faute, hein. C'est de la faute de Gold Rainbow, je le balance. Ça, je crois que j'ai baissé le son des créatures. Putain, en plus, j'avais butin et tout, oh là là. J'ai tout perdu, mec. J'espère que je vais trouver une épée dans un des temples. J'espère que je vais trouver un temple. Enfin, un truc, là, une cité. J'aurais pas dû en appeler autant des Enderman. Ok, what the fuck. Alors attendez, on va analyser un peu les trucs. L'endroit. C'est déjà, c'est magnifique. Ça, on dirait une structure. Nanana. Ça, c'est vraiment une folie cette musique, comme elle est incroyable. C'est magnifique les gars par contre. Oh, regardez. En fait, on est un peu en enfer, quoi. J'aurais dû prendre Fire Resistance. Ça se trouve, c'est l'équivalent d'une cité de l'End. Mais en version village, un peu. What the fuck, mais ça me pète la gueule. Mais c'est quoi, ce truc? C'est des plantes qui m'attaquent? Mais attends, c'est quoi, ça? Ok, ça, faut pas y aller. On peut jeter les perles encore plus loin du coup avec le double saut. Ok. Est-ce que dans les nouveaux biomes, il peut avoir quand même les cités ou pas du tout? Oui. Ok. Merci Florent. Ok, faut que je fasse le tour par là-bas. Parce que je compte bien ne pas dépenser toutes mes perles. Par contre, ça fait des sacrés dégâts cette merde, parce que je sentais que plus tu restais, plus ça se stackait, donc je pense que il faut pas glander trop longtemps là. Vous voyez que ça commence à charger, on aurait dit un peu. T'es où là, je comprends pas. Non mais les mods, c'est une folie, plus jamais je rejoue à Minecraft Vanilla. Hein. Vraiment les gars, Minecraft Vanilla, c'est sans intérêt en fait. Oh, oh bâtard, j'ai cru que c'était une cité de l'End.
Mais c'est quoi tout ça? Est-ce que les cités de l'Inde, elles ont un autre look? Elles ont un nouveau look ou pas, les cités, les gars? Non, ok. C'est magnifique, hein. Oh, je suis bloqué. Horrible. Qu'est-ce que c'est stylé, là? La vache. Vous vous rendez compte, les riches du chat? La dernière fois que vous nous avez fait perdre au dragon, vous avez fait louper tout ça comme spectacle au chat. Franchement, c'est magnifique, les gars. J'adore. Il y a des arbres un peu en mode arbre chêne. Ah non, les riches, voilà, c'est un peu excessif quand même. J'essaie de cut là-bas. Je pense que c'est que dans les biomes habituels qu'il peut avoir les cités, par contre. En vrai. Parce que là, on aurait vu quelque chose, quand même. Ok, j'ai paniqué, les gars. J'ai paniqué, j'étais pas sûr de mon double saut, là. J'ai préféré assurer le coup. A raison, je pense. Oh! Ah non. J'y ai cru, mais non. Il s'agissait en fait d'un arbre. Pourquoi ils veulent tous me péter la gueule, là? Bah, what the fuck, mais j'ai rien fait. Mais attends, mais tout le monde veut me péter la gueule, les gars. Mais attends, mais what the fuck? Mais pourquoi? Je suis bloqué dans une plante. Mais putain! Il est horrible, ce biome. Et pourquoi tout le monde veut me péter la gueule? Oh! Oh! C'est trop stylé? Mais pourquoi y a pas ça dans Minecraft normal? En vrai de vrai, pourquoi les mods c'est mieux que le vrai jeu? Genre putain, investissez dans votre jeu! C'est fou! De l'OMG, avoue c'est trop stylé, fais pas genre espèce d'aigri, c'est trop beau! C'est trop beau! Car les œufs se branlent, c'est trop réel! Thomas, tu dois avouer que c'est beau! De l'OMG, il se fout de ma gueule ce bâtard! Thomas qui devient méchant. Réel, je suis choqué. Alors là, celle-là, je l'avais pas vu venir. Il y a donc un Thomas malveillant. Oh, oh oui, oh oui, oh oui, 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 j'arrive, madame. Madame la cité. Je vais péter la gueule d'une baleine si on m'en donne l'opportunité. Hein. Je vais vous le dire, j'aurais zéro pitié pour les baleines. T'aurais eu ton arc, mais ouais, j'aurais pu la tenter, mais je pouvais. Là, malheureusement, plus d'arc. Et puis, on peut pas avoir d'arc dans les cités. Oh, venez par là, les élytres. Oh, bah, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Attends, faut que je lui pète la gueule, lui, parce que sinon, il va me suivre pendant éternellement. T'as déjà tué le dragon. Mec, tu crois que je serais là comment? Bon, j'annule le pétage de gueule. C'est quoi ça? J'ai pas assez de blocs. Oh non. Je vais faire les fonds de tiroir. Mais pourquoi on peut pas poser les barrières? Mec, je suis tellement loin, les fonds de tiroir, ils suffiront jamais là. Ouais, tant pis. Tant pis, j'utilise le bois. Ça fait 1,5 de haut. Ah, ok. Et mec, c'est quoi ça?
Les guys, what is it? A noble sacrifice. Ça fait quoi? J'ai un œil. Ex of truth. C'est quoi ça, les gars? Slipstone, Arcane. C'est quoi les mecs? Incrusté d'Arcane. Mais c'est quoi ça? Le bloc est stylé, ouais, c'est cool. Oh, c'est quoi ça? Waouh! La vache, j'enchaîne les clutches! Pas vrai, la team? Ah, mais du coup, il y a du bois en fait ici? Maintenant? Oh, j'ai pas de bouclier! Oh non! J'ai pas de bouclier, la team! Oh putain! Je veux des élytres. Attends. Les amis, arrêtez de me péter la gueule, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un bateau? Non, il n'y a pas de bateau, les gars. Les gars, il n'y a pas de bateau. J'ai pas de bouclier, putain. Est-ce que j'ai de quoi en craft un? Oui. Okay, je suis en manque de blocs. Ok. Ok. Chat, je crois qu'il n'y a pas de bateau. Oh non. Il n'y a pas de bateau, les mecs. Oh putain. Oh, c'est relou en vrai, par contre. Donc là, le premier truc qu'on a trouvé, il n'a pas de bateau à l'intérieur. Là, c'est là où nous étions. Les gars, il n'y a rien. Y a pas un coffre, pas de bateau. Faut qu'on se dise une direction et qu'on y aille parce que j'ai pas fait gaffe par où on était arrivé, les mecs. Oh non. J'ai zéro idée d'où je viens. Ok, je viens de là-bas. Donc faut qu'on aille vers le nord, plus ou moins. Plus ou moins au nord. Bon bah le premier truc qu'on a trouvé, c'est un énorme flop. Il me faut des blocs. C'est un bateau, ça, là-bas. Ah non, c'est encore un truc. Venez, on y va. J'essaie de prendre le bloc qui m'a donné quelque chose. Ça se trouve, je pourrais le reposer et il me donnera plein de trucs à l'infini. Je sais pas à quoi ça sert, l'œil. Quelqu'un a une idée d'à quoi ça sert ou pas, chat? J'ai aucune idée de ce que c'est. En vrai, je ne sais pas du tout. Le filtre est relou. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un filtre encore, là. Mais c'est quoi, ce truc? C'est quoi, focus? Aucune idée. Ok, top, top. Donc vous m'avez vraiment mis des trucs au hasard, quoi. Ils se sont dit, bah tiens, hop, hop, bonne chance. On va mettre un peu de ça, un peu de ça. Ils ont fait une recette sans connaître les ingrédients. On va mettre un peu de ça, un peu de ça. Bon, bah, on verra ce que ça fait. Tu, 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 tu. La petite tambouille, voilà, exactement. Vache, purée.
J'ai encore pas assez de blocs, je crois. Mais pourquoi c'est aussi haut? C'est du n'importe quoi, hein, si on me demande. Ah, bah c'est bon. Oh non, j'ai l'effet, du coup, il veut pas me donner. Oh, le flop. Je pense que c'est pour ça que je peux pas avoir. Le flop de fou, les gars. Bon, ben voilà. Tout ça pour ça, j'ai perdu tous mes blocs et j'ai rien eu en plus. Nord, c'est là-bas. Allez, on est reparti. J'ai tellement tout pour me déplacer librement, je suis trop bien. C'est trop beau, même ça c'est beau, même les petites pâquerettes dessinées sur le truc, c'est beau, tout est beau. J'adore. Et oui Elio, toujours en live. Tous les jours. Enfin, sauf là, pendant 4 jours, ça fait très longtemps que j'avais pas pris autant de jours off d'affilée. Ça se trouve, je vais revenir, tout le monde m'aura oublié, ça sera la fin de mon... De tout, la fin de l'Inca sur Internet. C'est peut-être mon dernier live ever, les gars. Putain, c'est horrible de se dire ça. C'est sûrement mon dernier live, je pense que je serai finito quand je reviendrai. Enfin, ah. Bah, top, top. Vous y croyez les gars ou pas? Coucou Gab. En vrai oui. En vrai oui, ça passe tous les jours. Là il y a tellement d'impulsions les gars. Je vais sur, dans un autre pays carrément avec la perle. Easy. Non mais il y en a encore un là. C'est pas obligé de flotter dans les airs en fait cette merde. Mais à quoi ça sert? Je vous jure, j'aimerais savoir. Bah. Ah mais non, là, c'était direct le bloc qui m'avait donné des cadeaux. Il y a une boîte de nuit là-haut. What the fuck? Mais c'est quoi ça encore? Les gars, ça a clignoté, je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est les blocs qui font mal. Attends, mais c'est un biome entier qui me pète la gueule, en fait, là. Ok, ok. Alors attendez, j'ai envie de voir ce que c'est ça. Il y en a plein en fait. Vous pensez qu'il y a des cadeaux là-dedans ou pas, chat? Putain, je pense que oui, moi. Bah attendez, je vais chercher mes élytres et j'y vais en élytre en fait, on est cons, nous. Regardez le bateau, comment il est bas. Je crois pas avoir déjà vu un bateau aussi bas. Mais attendez, mais il est perdu ce bateau, il appartient pas à cette cité. Mais il y a plusieurs cités. On n'a pas récupéré l'œuf du dragon, c'est pas grave. C'est vrai que le filtre il casse les couilles un peu. Ok, on a enfin nos élytres, chat. Ok. Mais putain, what the fuck? Ok, chat. On est dans le game là. On est carrément dans le truc. Oh, c'est le truc aussi, je tombe dans le vide, ça me fait revenir sur la terre ferme. Incroyable, je savais pas que ça se trouvait dans les coffres. Iron, diamond, ça on prend. Oh. What the fuck?
Encore mieux que mon menzing. Protection plus unbreaking. Incroyable. Ok. Les gars, c'est le plus beau jour de ma vie là. Ah, en plus, ça m'a donné un backpack gold direct, donc ça me fera des trucs à ranger en plus. J'ai retrouvé une épée en fait, j'avais plus d'épée, je suis trop con. J'avais même pas réalisé. Oh là là, tout est parfait. Ok, attends, merde, j'aurais dû prendre ça. Ça, vas-y, on s'en prend, je le range. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Pourquoi je tangue? On dirait que je suis bourré. What the fuck? Ah putain, c'est le mode, j'avais oublié. Attends, faut que je m'habitue. Attends, what the fuck, comment on conduit? J'avais oublié qu'il y avait un mode comme ça. What the fuck, c'est horrible, je vais gerber. Attendez. Je sais pas comment on conduit. Parce que c'est un mode où on peut faire des loopings. C'est quoi ça? Les gars, je vais gerber. Comment on enlève ce mode? Attends, mais c'est impossible d'atterrir avec ce truc! What the fuck, mais c'est quoi ça? Y'a un spawner, un truc ou pas? Attends, les coffres là-dedans, ça doit être une folie. On va voir. Vous pensez que ça fait tape fort ou pas, ça, les gars, honnêtement? Mais comment on pilote cette merde? C'est horrible à conduire. Vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Merci Elio, merci beaucoup. Bah par contre, c'est vraiment stylé. Attends, par contre, c'est ultra stylé. Hein. Mais faut conduire... Faut voler tout smooth, tout doucement, je pense. Genre, faut pas faire de gestes brusques. J'ai envie d'essayer de faire un looping, mais y a un monde où ça nous coûte très cher le test. Ah, c'est stylé en vrai, par contre. C'est stylé, mais ça fout un peu la gerbe. Genre, j'arriverai pas à me poser, là. Je vais l'enlever, le mode, hein. Comment je vais faire pour me poser? En fait, tu fais des saltos, quoi. Même pour te poser. Mais il y a des coffres là-dedans, normalement. Ils sont où? Je te promets que quand t'apprends à voler, ça sera parfait. Ok, je te crois. Pourquoi j'ai plus mon totem? Attendez, mais les gars, c'est bugué, là. Pourquoi j'ai plus mon totem? J'ai chopé un totem qui me rend immortel? Il a disparu? Sac? Ah non, il est pas dans mon sac. Ou je suis aveugle? Dans ta main, chef. Ah non? Regarde. Il est pas dans ma main? C'est quoi cette merde, les gars? Dans Curios. Il est dans ton slot charme. Ah, ok! Putain, incroyable! Merci. En gros, ça, si tu tombes dans le vide, ça te remet sur la terre ferme, les gars. C'est broken. Mais normalement, il y a des coffres là-dedans. Oh, ok. Ok, c'est l'heure d'avoir... Oh oui, viens par là, toi.
Iron, c'est dommage. Allez, je me casse. Oh, ça fout la gerbe, sa mère, au début. Ok. Mais comment tu voles à plat, du coup? Tu peux pas, c'est fini. Je volerai plus jamais à plat de ma vie. T'as des goudrons en musique, ouais, c'est vrai, merci. Je me suis donné beaucoup de mal à faire cette playlist et je suis content qu'elle vous plaise. Tu vas t'y faire, ok. Mais ça vous donne la gerbe ou pas, chat? Allez, je vagabonde jusqu'à la prochaine cité de l'End. Faut faire gaffe à la santé de nos élytres. En vrai, non, moi, ça me fait tanguer la gueule, hein, quand même. C'est trop stylé de faire un looping, par contre. C'est vrai que ça donne l'impression d'être bourré un peu. Moi, ça me fait un peu ça, hein. Ok, cité. Cité avec bateau. Double cité. Double cité, chat. What? What the fuck? Attends, j'ai peur de mourir. Mais comment on se pose avec cette merde? C'est horrible. C'est horrible. Je déteste cette merde. Whooping? C'est quoi whooping? Stasis? C'est quoi stasis? T'as que de la merde. C'est quoi whooping, les gars? Bah, l'atterrissage, c'est horrible, les gars. Je vous jure, c'est trop dur, je vous promets. Je sais pas ce que c'est, stasis, les mecs. Je vais essayer de faire un peu des trucs. Ok. C'est horrible, les mecs. C'est horrible, vraiment. La cité là-bas, elle est énorme, par contre, vraiment. Je suis obligé de m'éclater par terre. Y'a pas de coffre là-dedans? Ah non. Je pensais. Et là-haut? Ah là-haut, y'en a par contre. C'est horrible, les mecs. Oh, pas mal, hein. Ok. Ok. Donc knockback, c'est de la merde, mais vas-y, on prend, hein. Faut que je fasse gaffe à ma vie, là. Et après, j'ai vos trucs en face. C'est infernal. C'est horrible. Le... En vrai, je crois que le mode gerbotron, là, je vais le jarter après. Oh, par contre, comment c'est beau, là. Genre, ça me fout la gerbe premier degré. Tellement dommage, je te jure, ça me donne mal au ventre et tout, genre. Merci beaucoup pour le Prime. Mais je suis con, c'est mon Ender Chest, en fait. Mais c'est quoi, Stasis? De toute façon, j'en voulais pas de cette histoire. J'ai aucune idée de ce que c'est, Stasis, les mecs. Tu peux mettre des Shulker Box dans le sac. C'est une dinguerie pour le stockage. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir que je les farme aussi, les Shulker, à un moment. Ça va pas tomber du... Elles vont pas tomber du ciel, hein.
Les gars, un petit vomito, ça a jamais tué personne. Alors c'est réel, mais là c'est horrible, moi je trouve. Hein. Stasis encore, je sais pas ce que c'est les gars, stasis. Aucune idée. Iron, et ça c'est diamant. Oh, fire protection, il m'en fallait un. J'en rêvais la nuit. Ok. Je la range là, elle. Ça et ça, je mets là. Ça aussi. Je vais aller leur péter la gueule maintenant. C'est long à enlever un mode vomi ou pas? Faut que j'aille leur péter la gueule et que j'essaye de prendre des full shulker. Oh non, non. Mais putain de merde! Allez, donnez-moi vite vos trucs. Pour démarrer le jeu. Mais c'est long à virer le truc. Ou pot. Je prends cher en vrai là. Mais meurs. C'est une dinguerie de pas vouloir mourir. Ferme le jeu, Curse Forge, dans les modes tu cherches le bon mode et tu le tèges. Tu redémarres. Comment il s'appelle le mode? Je pense que je le remettrai. Attends, je sauvegarde et je fais. Et je le change en speed. Ah, mais putain, il est 19h52. Attends, j'ai pas le temps, je ferai plus tard. D'où barrel roll. Je ferai plus tard. J'avais pas vu l'heure. Je retombe dessus, on l'enlèvera plus tard. T'as plus d'armure? Ouais, je sais que j'ai plus de. Le dessus, mais c'est pas grave. Je crois que stasis, c'est pour que tes flèches ignorent la gravité. Mais attends, c'est monstrueux, Thomas, si c'est ça. C'est tellement broken. Après, je suis habitué à viser comme un chef, mais bon. Je suis bloqué là pour toujours. Oh, il m'a tellement niqué Gold à m'enlever mon arc. Je suis bloqué dans le toit pour toujours, là. Les gars, je suis bloqué pour de vrai, par contre, il y a un problème. J'étais vraiment bloqué dans le toit. Mais ils veulent pas mourir? C'est insupportable à taper ces monstres de merde. Je crois que le stockage, je vais oublier pour toujours les mecs. Hein. C'est horrible. Ok, nice. Genre j'ai de quoi faire une shulker, ça suffit. J'ai les sacs et tout. Moi je dis qu'un shulker c'est déjà vachement bien. Et vous, qu'est-ce que vous en dites de cette histoire? En plus je peux faire des sacs infinis. Je vais l'éclater, attends que je retombe mon vieux. Voilà, dégage de là. Je vais en prendre un autre, comme ça j'ai deux shulkers. Je sais juste pas où il est l'autre mec. J'ai trop envie de taper une baleine les gars, mais j'ai peur que ce soit là, que ça marque la fin de mon aventure. Venez, on va se taper avec une baleine vite fait. C'est horrible, d'où barrel roll là, c'est infâme. C'est impossible de se rendre compte de quand t'as plus de jus et tout en plus. Genre c'est stylé et horrible à la fois. Genre je pense que j'aimerais bien voir quelqu'un jouer avec. À jouer par contre c'est autre chose. Bon vas-y nique sa mère, on topera jamais de baleine hein les gars. Hop. J'ai l'impression d'être bourré. Oh, bon allez nique sa mère. Oh oui purée. Par contre on en a vraiment de la chance là. On a 50 trucs au même endroit. Ouf.
Ok, et lui, je le récupère et j'ai une shulker. Oh non, c'est là où on était. Oh non! Ta tête qui bouge, IRL. J'essaie de compenser la gerbe. Ça donne vraiment la gerbe. Je crois que c'est de là où je venais. Mes élytres, elles commencent à être low là. Faut que je fasse attention quand même. Ok, il me faudrait une dernière cité. Là déjà, j'ai une élite d'avance si jamais il se passe une dinguerie, donc ça me fait plaisir. Ça, c'est quoi? Hop, ben, on saura jamais. On saura jamais de quoi il s'agit. On rentre. Je la joue raisonnable et on reviendra se faire une mission. Je pense que oui, moi. J'en étais sûr. Oh, bah attendez, attendez. Est-ce qu'il y a un bateau juste? C'est horrible. Je veux, ça me fait mal au ventre pour de premier degré, genre. Ok, là, il y a un truc, par contre. Nanana. Banger, ça aussi. Diamant. Diamant. Oh non. Ok, et il me manque juste un truc de ça là. Faut que j'en tue un dernier. Oh, le pauvre chat. Merci Nathan, merci beaucoup. Mazette, 14 mois. Ok, je ramasse ça et c'est win, je me casse après. Je l'ai ramassé, je me soigne. Et on va là-bas. Ça veut dire énorme. Comment t'as écrit ça, Pablo? Comment t'as écrit C aussi tout à l'heure? Bref, la totale. Faire attention. C'est horrible, c'est horrible. Oh, c'est trop détestable, c'est grave. What the fuck? Les amis, j'ose le dire, cette mission Dragon Élytre est un succès. Vous ne rêvez pas. Oh, il y a un cœur. J'ai envie de fumer une baleine. Voir ce que ça fait. Ok. Comment je fais pour taper une baleine, les gars, là? Putain, si j'avais pas le mode, je pourrais la tabasser, vraiment. Oh. Oh oui, pose-toi. C'est horrible le truc qui repousse. Je suis sûr que ça donne un loot de malade. C'est tellement dur à choper. Les amis, les amis, cette mission est un succès.
Ok. Ok, maintenant je peux le dire. Maintenant je peux le dire. Maintenant je peux le dire haut et fort, d'accord ? J'ai vu Gold demander qui est chaud pour son sub. J'ai fait semblant de pas avoir lu. J'ai fait semblant de pas avoir vu. Comme ça, je me suis dit, à tout moment, il a zéro hype. Il a zéro hype, il va pas le faire. Et comme ça, je survivais avec mon truc. Sale rat, bah non, c'est l'inverse du rat. C'est l'inverse du rat, j'ai fait semblant de pas avoir vu. Comme ça, j'étais sûr que j'ai gardé tout mon stuff. Ah là 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 là. Les affaires sont les affaires, les gars. Ça fait quoi sans sub? Je meurs, je perds tout. J'étais au-dessus du vide, je perdais tout, mais toute ma vie. Allume le chauffage. Ben, le chauffage, il est dans toute la maison, sauf dans mon studio. Chat, merci d'avoir suivi le live. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain live. Ça va être très long. Tenez sans moi, les gars. Non, là, je laisse l'aventure. Merci, Gold. T'es un vrai petit chef. T'es un vrai petit chef. Et merci pour tout le soutien, quand même, hein, malgré tout. Malgré les tentatives de meurtre, merci pour la force. Merci énormément. Chat, je vous fais de gros bisous. On se retrouve lundi pour le prochain live. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vais revivre la Seconde Guerre mondiale. Donc, chacun son week-end. Perso, le mien va être un peu moins fun que le vôtre, je pense. Je pense, hein. Raid, raid, raid. Y'a qui à raid? Y'a que Croco. S'il y a pas Croco, je raid pas. Est-ce que Croco, il joue? Ouais, vas-y, c'est bon, alors je raid Croco. Slash, raid, crocodile, TV. Mais il est encore sur un écran gris. Bon, bah allez chez Croco, les gars. Allez chez Croco. Je vais dire à Croco... Oh, Croco, il est en live depuis 40 minutes et Angèle, il est resté chez moi. Oh, oh, le bâtard. Oh, comment je vais le dire à Croco? Oh, Croco, le gros bâtard. Non, pardon. Non, Angèle, le gros bâtard. Bon, Croco aussi, mais bref, j'ai... C'est pas ce que je voulais dire, ça a fait un lapsus. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, chat. Pas compris en compte, quoi. Bon, je vous envoie chez Croco. Bisous, chat. Bisous.